Zarfex, comment ça va? Hello, hello. Alors attendez, il faut que je règle un truc parce que forcément... voilà. Voilà. Comment ça va? Eh hey. Et Théma? Théma, il y a les trucs dans l'arrière-plan. Incroyable. Mais toi, bah je vais super bien. Vraiment. Super bien. En plus, ce soir, on joue avec Ata. Je suis heureuse comme jamais. Voilà, sachez-le. Ah là là. Quoi de neuf, Zarfex? Est-ce que t'as passé un bon week-end? Raconte-moi tout. Raconte-moi tout. En attendant, je vérifie que tout marche bien. Comment ça, non? Comment ça, non? Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je veux tout savoir. Comment ça, pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, c'est quoi ces conneries? Je veux comprendre. Dis-moi. Coucou Jean, comment ça va? Bonsoir mon cher Jean. Ma chère Jean, excuse-moi. Comment ça va? Est-ce que t'as passé un bon week-end, Jean? Comment ça va? C'est terrible, le décalage qu'il y a entre le moment où je vous parle et le moment où vous répondez, c'est affreux. J'ai 6 contrôles cette semaine, plus 11 devoirs à faire. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais tu vas y arriver. On y croit. Vraiment, moi j'y crois. Voilà, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, ma crush m'a encouragée en sport. Ah, t'as pleuré de joie. Oh là là, vas-y. Vas-y. Non mais se faire encourager par sa crush, faut avouer que c'est stylé quand même. Franchement... Bravo! Bravo! Ce truc n'est pas cadré, mon dieu. Hop! Un peu mieux. Pas tout à fait bien, mais un peu mieux. Ah là là! Eh bah, c'était une bonne journée alors! Jean qui a au moins passé une bonne journée. Zarfex qui panique, mais Jean passait une bonne journée, donc tout va bien! Tout va bien! Ce soir, on retrouve notre cher Athanase!
ça, c'est beau. Je suis en PLS, respire, Zafex. Vraiment, ça va bien se passer. Dis-toi qu'une fois que cette semaine elle est finie, elle est finie, t'es pépouze. Voilà, c'est. Tout va bien se passer. En plus, elle a encouragé que moi. Oh, bébou! Je vais mourir, je crois. Mais non, 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 t'inquiète pas. C'est que dans ta tête. Je te jure, en fait, ça va aller plus vite que tu ne le penses. Hop. Hep! Nous, on va aller rejoindre notre cher Athanase, qui est en live. Et avec qui on stream ce soir. Et ça, c'est cool. J'en ai deux demain, un mercredi. Hein. Je lui dis, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on est parti. Bonjour, mon cher monsieur. Ah bah tu peux, t'as pu me rejoindre. Bah oui. Bonjour Izzy, ça va? Ça va et toi? Ça va. Et Alors, tu... je préviens le chat. Atta est malade. Soyez Ah oui, pipou avec moi je Atta. vous le dis, à 21h30, moi c'est ciao, hein, si ça. 21h30 Donc... carrément. Ah ouais, je t'avoue que... Ouais, ça s'entend à ta voix, bichon. Non, puis y a ça, puis j'attends en plus mon résultat là, de test Bonsoir, Bastien. PCR que j'ai fait ce matin. Ah oui, d'accord. Sauf que je suis tombé malade genre jeudi dernier, tu vois. J'ai fait un arrêt de travail et tout, tutti-quenti là, comme on dit. Et le truc, c'est que j'ai peur que mon test soit négatif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah bah c'est possible, oui. Étant donné que j'ai eu le Covid techniquement jeudi, vendredi dernier, samedi, dimanche, après j'étais pas forcément très bien. Là, je suis en Ouais, mais rémission, entre alors guillemets. attends, parce que t'as été testé jeudi ou t'as eu des Non. symptômes jeudi? J'ai eu les symptômes jeudi. Ah bon, ah oui, t'es en rémission, oui. J'étais en arrêt de travail et je me suis testé samedi après-midi sur un autotest. Et genre, j'avais les deux traits, laisse tomber quoi. C'était Oh genre. bah Covid quoi, c'est. Ouais. Mais normalement, apparemment, ça reste une semaine, voire une semaine et demie. Donc logiquement, je suis encore positif. Bah Mais c'était normalement bizarre. t'es positif longtemps après donc. Si, je vais Est-ce que monter. c'est Madame Atta? Bonjour Un bonjour d'Elisaya. Madame Atta! Oui! C'est le bonjour. Tu veux pas que je monte? C'est pas grave, on est tout seul. Mais les gens sont pas au courant que je suis en stream en ce moment. Ils sont pas au courant. Non, mais je sais pas, j'ai pris Moi je peux un. pas y voir par contre, je te rappelle que j'ai une queue de merde. Les deux sortes de fromage que j'ai cru manger, oignon rouge, poivron, sauce tomate avec tomate entière que j'ai effacée, champignons. Tu peux mettre celui à côté avec un peu de gruyère? Incroyable. Ça te dérange pas, merci. Incroyable. Il Non, y a une mais copine en ouais. or. Ouais, fort. Non, mais oui, là, en plus, on se. Non, c'est le mauvais celui-là. Mais. Mais recommence pas, Va bien eh. se passer. Non, ça y est, je vais commencer à me faire engueuler, c'est parti. Ouais, non, ça va aller, t'inquiète. Non, mais comme je disais, les lives. C'est. Wow. J'en ai pas fait, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines, je crois. Ah, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai pas live. Ouais. Cette semaine, je vais live que aujourd'hui. Semaine Bah, prochaine, déjà je pas live mal. pas. Tu lives pas la semaine pro? T'as encore des examens? Non. Semaine prochaine, j'ai un rendu de mémoire à faire. Donc Terrible. live, pas. Je pense pas que je vais live semaine prochaine. Et bah, Donc. c'est pas bien grave, tu reviendras en force et on fera des trucs trop cool. Ouais, ah bah oui, c'est sûr. Hein. Bah, il y aura une deuxième rentrée pour moi. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai dû faire un ou deux lives depuis. Bon, non, j'ai dû faire 2 ou 3 semaines en septembre, enfin même pas. Fin août, début. Fin août, début septembre, j'ai dû faire quoi? 2 ou 3 semaines d'affilée, c'est tout. Ah oui, puis Non. t'avais pris des sacrées vacances toi aussi. Ouais, j'avais pris 3 semaines. Le mec, il Sinon, s'était toi, mis Ellie, bien. comment ça va? Eh bah écoute, j'ai un sol et j'ai un début de décor. Oh, stylé de ouf! Voilà, un début parce que vraiment, il me manque de l'éclairage de ouf. Mais je sais pas si tu peux venir voir sur le live, mais en vrai, ça commence à ressembler un peu à un truc, à peu près. Bon, c'est clairement pas encore ça. Il manque des choses. Ça va le faire. Non, c'était stylé, c'est ok. Voilà, et T'as une canette de Maximator que t'as derrière toi, c'est quoi? Ça, c'est un tournevis Sonic. Ça n'a rien à voir. Un tournevis qui quoi? C'est un tournevis Un tennis? Sonic. C'est Ah de la licence oui. Doctor Who. C'est trop stylé. Voilà, Oh, mais il manque de l'éclairage, donc on voit mal ce que c'est, tu vois. stylé de ouf. Bah ouais, j'ai un œuf de dragon, j'ai Picamoche, j'ai plein de trucs. J'ai vraiment l'impression que si jamais tu sautes, tu te casses la tête, quoi. Ah Faut que ouais, tu sautes mais je pas. te jure, j'ai rien. J'ai pas de place entre ma tête et le machin.
C'est terrible. Imagine, genre, tu faisais 20 cm de plus, c'était Ah terrible. ouais, mais c'est un peu ça. Hein. Puis en plus, pour l'instant, je suis obligée de me mettre dans ce sens-là. Dans le futur, je pourrais inverser la caméra et du coup être de l'autre côté et avoir plus de place, tu Ouais. vois. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il s'avère que j'ai encore une fuite dans mon toit. Un vrai plaisir. Ah, c'est génial. Voilà. C'est plaisir. Heureux, Mais t'es ouais. positionné là, ça y est. Ah, mais là, je suis trop bien. Là, vraiment, mec, je te jure, j'ai même un petit ficus avec moi. Je vous présente Billy le ficus. Regardez, il est là, il est beau. Voilà, Billy le ficus. Il est beau, hein? Il est Coucou trop beau. Cassis, ça va? Et je suis trop Il est heureuse. beau. J'apprécie. Vraiment, c'est. J'aime trop. Très beau. Mais c'est moi où j'ai l'impression, j'ai regardé un peu. De temps en temps, le soir, j'avais un peu de temps et tout pour me poser, mais bon, c'était pas beaucoup. Dernièrement, et j'ai regardé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de viewers en ce moment. Je sais Ah bah c'est pas. normal, c'est la rentrée. Ok. Non, mais T'inquiète, hein, c'était parce c'est. que je regardais les petits lives, genre toi, je regardais Non rapide. mais ouais, de ouf. Pas rapide, hein. De ouf, de ouf, mais c'est Mais les normal. Stadia et tout, putain, c'est une dinguerie, hein. La rentrée c'est dur, hein. Putain, ça divisé par deux, genre, ça se voit pas. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Et non, le décor est pas terminé, pas du tout. Il manque plein Faut de qu'il arrive trucs. bien sûr. Mais oui. D'ailleurs, bah ouais, mais moi je peux pas montrer aux gens parce que les gens sont pas là, mais j'ai enfin la iSwatch que je veux faire gagner. Bah il était temps. Ah oui, mais j'avais dit que j'allais l'avoir. Ah, mais mon live a coupé. Ah bah non. Ah c'est terrible. Ah, il redémarre. Il Ouais, redémarre. Je j'ai sens la dormi. fatigue en toi, c'est Putain, terrifiant. j'ai trop mal dormi cette nuit, je te jure, c'était Ah horrible. bah en étant malade, tu m'étonnes. Hein. Déjà, Mais moi encore, je genre, veux une pluie ça de va. GG dans le chat parce qu'il est venu et qu'il est là en live avec nous alors qu'il a la crève. Ouais, clairement. Vraiment, hein, une pluie de GG pour atteindre. Coucou Merci. Polo. On relance. Allez, on relance. Il faut que je la montre, Ah oh bah, finalement. montre, montre. Montre la montre. En plus, c'est une iSwatch de ouf, hein. Ah là là. J'aimerais bien venir là, mais venir voir, mais bon. Oh Oh là, il y a l'iSwatch l'élo! blanche, il y a Aïe! l'iSwatch bleue, j'avoue, j'avoue. Après, Excuse. j'ai personne sur mon live, pourquoi je fais ça? Mais Sur... voilà, 6. Réflexe de streamer! Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que je vais vous faire gagner dans vraiment pas longtemps. On y Enfin, croit. quand j'aurai fini mes trucs, quoi. Faut savoir que la boîte, elle sert de tirelire après. Le tirelire. Ouais. Ah là là. C'est une boîte de iSwatch. Moi j'ai une tirelire là, juste à côté du petit Mario qu'il y a là en fond. C'est une tirelire cube et quand tu mets une pièce dedans, ça fait le bruit de quand Mario il tape sur un cube et que ça lui donne une pièce. C'est exceptionnel. Incroyable. Voilà. Alors, attendez, C'était une comment connasse ça qui me fait? l'avait offert, c'était exceptionnel ça aussi. Oula. Là. Coucou Kipwix, coucou Kermengi, ça va les gars? Coucou les potes! Ah, j'ai plus aucune dignité, j'en ai rien. On s'en branle! C'est pas Ok. grave. Écoute, Allez, à quoi là? moi déjà je suis extrêmement heureuse que t'aies accepté de streamer alors que t'es dans un état catastrophique. Voilà. Ouais, bah après, bon, je te garantis rien, hein, je te le dis. Je t'ai dit, hein, sous garantie de ça se Oh, passe bien. tu sais, moi je demande rien, hein, juste t'es là, je suis contente, hein. J'espère. Ah, mais c'est Voilà. un plaisir partagé. Ah bah Oh, ça il me a fait changé plaisir. la cadre de la cam. Oui, complètement. Donc, comme ça, Madame Atta peut passer à côté. Mais il a changé des Ah, trucs et je vous peux pas l'attendez. voir. Mais Oh, j'attends toujours les résultats de mon test PCR. J'ai envie de péter un plomb. oh Et t'inquiète. sachez que si je suis testé négatif au test PCR, eh ben je n'aurai pas d'arrêt de travail. Donc chais dans ma gueule. Ouais, terrible. Donc je devrais prendre la journée que j'ai que j'ai pas bossé aujourd'hui et la journée de demain en télé. Merci Lauriane! beaucoup pour le sub. Mais Ura? Hein? Y a Ura qui rend de l'argent, mais arrête! Il rend Arrête! l'argent. Mais Ura il s'est abonné pour la troisième fois! Et bah les Ah. enfants, hein, vous êtes plus filous. Les enfants, allez chez Atta! Allez lui Oh, il a donner de oublié la d'oublier. force, parce que là il est Le dans un bébé, il a état, le. mon gars! J'ai le Covid, le gros bébé. Oui, j'ai le Covid. Il Je a le pense Covid! que. Je peux même vous montrer mon test si vous voulez mon autotest. Vous voulez Ah, voir en mon vrai, autotest? vraiment, moi ça me fait rire parce que tu m'as envoyé ton test, mais j'en ai rien eu à foutre que ce soit le Covid, gars. Vraiment, juste Merci tu. Lauriane Bibiche pour le Oui! follow, j'espère que tu Lauriane! vas bien. Alors attends, attends. Lauriane, Je c'est vais une vous montrer personne mon test. exceptionnelle qui m'a envoyé une carte.
Une carte. Enfin, une carte. Techniquement, c'est... Ta gueule. Oula, techniquement, c'est une enveloppe... Attendez, je vais cacher mon nom et mon adresse. C'est une enveloppe violette avec beaucoup trop de paillettes dessus. Et au bruit que ça fait quand je touche, il y a beaucoup trop de paillettes dedans. Pourquoi t'as envoyé ça? Bah, j'ai eu la mauvaise idée de lui dire que je voulais qu'elle mette des paillettes dans ma vie. Voilà. Les joueurs s'en foutent maintenant. Ah, t'es enceinte, pourquoi t'as un test de grossesse? Hyper drôle. Non, non, il y a juste deux énormes de traits sur le T et le C, et ça veut dire que je suis covidé, les amis. Ouf. Après, que ce soit le Covid ou autre chose, qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, oui. Pardon, hein, mais... Alors, attendez. Tu vas bien, mon bras. Alors, il faut que je fasse tourner la roue des sables, Kipwix. Alors, non, par mon Dieu. Tout de suite, la danse et les 10 pompes, vous allez vous faire foutre. Ouais, non, il est malade, foutez-lui la paix quand même, soyez gentil. Hein. Ah, attends. C'est parti. Est-ce que je l'ouvre maintenant, cette lettre à la con? J'ai pas envie, je vais avoir des paillettes partout, ça me pète les nions d'avance. Je suis vraiment désolé, mais je vais vraiment pas faire 10 pompes, quoi. Ah bah non. Non, non, elle fait pas des pompes. Je suis vraiment désolé, je peux te faire un compliment, si tu veux. Tu vas faire 10 minutes de sieste. À la place, si tu veux, je peux... Franchement, alors, 10 minutes de sieste, c'est pas mal. Je peux faire des pompes demain. Des pompes demain? Ouais. Genre transfère à Ellie les pompes, ouais j'avoue Ellie tu dois faire 10 pompes. Vous foutez de ma gueule, mais j'ai même pas la place pour faire des pompes. Je suis même pas sûr d'être capable d'en faire 10. Attends, est-ce que je rentre en largeur? Ça fait 2 mètres. Donne-moi le Covid, je suis preneuse. Alors ouais, attends. Mais je t'avoue que j'ai eu le Covid déjà une fois. Et ce deuxième Covid là est, comment dire, 4 fois pire que la première fois que je l'ai eu. Genre vraiment. La première fois que je l'ai eu j'étais pas bien, genre une journée ou deux. Là, c'est chaud. Ah putain! Du pompe sans les mains, oui, bien sûr. Non, mais attends, parce que Lauriane est un génie. C'est-à-dire que pour fermer l'enveloppe, elle a mis des petits morceaux de trucs à paillettes, là, de scotch à paillettes, pour que je puisse recouvrir l'adresse, le nom. Putain, mais non, mais ça a ouvert, il y a des paillettes partout! Oh putain! C'est du coup ce que tu connais de. Alors, base, ou juste elle a dit, ou alors juste sache que c'est pas qu'une vieweuse, c'est aussi une superbe streameuse, une personne exceptionnelle. Putain, je me suis mis des paillettes partout. Oh non, fais chier. Et elle est absolument fantastique, voilà. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en discute, parce que c'est quelqu'un de génial, et que tu mériterais de la connaître. D'accord. Voilà. Et que j'ai très envie, j'ai très envie qu'on fasse des trucs tous les trois ensemble, sans connotation aucune, calmez-vous le chat. Ouais, mais voilà. À voir, mais évidemment. Voilà. Mais bien sûr, nous en reparlerons quand tu seras en état. Ouais, je t'avoue que là, je suis en mode. Bon. Ouais, tu es un zonzon, mais c'est pas grave. Ouais, je suis en mode. Putain, il y a des paillettes partout. C'est sympa, c'est cool. Je tiens à vous préciser que je déteste les paillettes. Vraiment, je. Ça me casse le cul. Oh, les paillettes, putain. Ah, en plus, ça c'est pas des grandes paillettes que tu peux nettoyer facilement. Non, non, c'est des mini paillettes dégueulasses qui en foutent partout. J'ai envie de mourir. Donc, une jolie enveloppe. Une jolie enveloppe avec écrit « Avec tout mon amour !» Oh, j'ai envie de crever. Voilà. Mais au moins, elle a mis un timbre avec des jolis pingouins. Ce qui est déjà pas mal. Il faut se l'avouer, c'est déjà pas mal. Oh putain, t'es vraiment explosé, toi. Je t'aime et je te déteste en même temps, c'est terrible. Vraiment, je... T'es heureux, ça s'est bien passé. Tu voulais que je vous dise exactement comment j'ai dit à mes parents comment s'est passé mes euros. J'ai dit vas-y. Il y a eu un début et il y a eu une fin. C'est dur, ça. Oh putain. Je sais tellement pas quel va être le résultat et tout ouais, ça. Ouais, à tes souhaits, quoi. Un bon doigt dans le cul et au lit, et demain ça ira mieux. On ça, espère. Gars, ça, c'est les techniques de... Déjà, Ellie, ça m'a fumé derrière. De quoi? En fait, pour rien, on va jouer transparent. En gros, normalement, je préviens avec Ellie quand on peut pas être là. Quand on n'est pas là lundi. Moi, j'ai la fâcheuse tendance de toujours envoyer un message beaucoup trop en retard. Ouais, c'est-à-dire que des fois, je suis prévenu le lundi matin. C'est... Voilà, c'est arrivé une fois. Ouais, mais ça arrive. Mais effectivement, c'est arrivé. Et en gros, là, je lui ai envoyé un message dimanche parce que je m'étais fait tester le samedi soir ou samedi après-midi. Donc, j'ai pas forcément pensé à parler à Ellie à ce moment-là, mais j'ai prévenu Ellie que j'étais positif au Covid et tout ça, et donc j'étais pas forcément très bien et tout.
Et genre Ellie était en mode genre trop bonne, comment dire, Mais trop je suis bonne une pote, tu daronne, vois, moi, c'est genre terrible. en mode protectrice et tout, et t'es là, mais il faut que tu fasses ça et tout, tu veux des conseils de Médoc, et moi j'étais en mode, mais j'étais en mode, et les Médocs, pour moi c'est mort, j'en mets jamais. Et genre, le message, je vais vous le dire, elle m'a dit, c'est pas des Médocs, t'inquiète. Pour l'atout, il y a un truc magique, c'est une cuillère à café de miel, une demi-molle de cidre et du mélange, et tu mélanges avec de l'eau chaude. Oui, comme ça a l'air dégueu, mais ça a juste le goût de jus de pomme chaud. Nota bene, Pour c'est le vachement rhume, bon et ça marche super bien. bah ouais, vitamine C. Et pour mal de tête, l'huile essentielle de menthe et tu te masses les tempes avec. Voilà, les remèdes de grand-mère, quoi. Pour le Bah coin de ouais. la vie. Voilà. Mais en même temps, moi je me suis jamais soignée avec des médicaments. Donc je connais plein de remèdes qui marchent. Mais je me soigne Certains même plus pas ou avec moins, tu des vois. remèdes, moi. Moi, je reste dans mon lit, je bouge pas et j'attends. Ouais, Je mais en bouge fait, pas. les remèdes ça sert juste à booster ton système immunitaire histoire que tu guérisses plus vite. C'est en Mon gros au lieu de système guérir. immunitaire, il est super fort. C'est un vrai génie, il a pas besoin de booster. Ouais, mais Il sait pas quand t'es PN, malade, t'as mon besoin. système immunitaire. J'ai un Mec. remède magique contre tous les mâles. C'est quoi qui est Je impossible? sais pas si vous Tout voyez le style, tout va chat. bien. J'ai des paillettes plein les mains, j'en ai ras le cul, j'en ai plein mon bureau, les gars. Attendez, vous voyez pas, mais regardez, toute cette trace noire absolument dégueulasse là, c'est de la paillette. J'ai envie de mourir. Attendez, est-ce que je peux pas vous incliner pour que vous voyez que mon bureau? C'est LeBron James? Non, moi je dis pas LeBron James, moi je dis que quand je le fais, je me flash McQueen. C'est hyper drôle! Ouais, mais du coup, c'est hyper rapide. Oui, bien sûr. Un peu mieux que toi, visiblement. Bah effectivement, bon, on est sur un coco, quoi, on est sur un Covid, hein. Ah, mais même la carte, elle a des paillettes! Mais putain! Je sors de Covid et je suis enrhumé de ouf. Ah, coucou! Ah! Moi, je suis normalement covidé et j'attends mon résultat de. En plus, c'est des sacrés connards parce que. Attends. Hein? Ah, toujours plus de paillettes. Ouais, mais tu l'as cherché, hein? T'as dit je veux des paillettes, tu m'as mis une bonne flopée. Est-ce que t'es sur mon live là? Est-ce que Hein. Ah, tu mais pas du vois tout. l'amas de paillettes? Attends. J'ai envie de mourir. Je. La carte, elle a vomi des paillettes. Quelqu'un peut me clipper ça parce que vraiment. Oh putain, non mais quand tu dis que tu mets des paillettes dans ma vie. Franchement, j'aurais pas la flemme de nettoyer. J'aurais pas la flemme. Je les aurais jetées en l'air. Alors. Mon Dieu, le nombre de paillettes qu'il y a. Ouais, mais même la carte, elle est pailletée. Regarde, la carte, elle brille et tout. Elle est trop mignonne, la carte, by the way. Hein, Je dis aussi ce tout-touffe de levelu. Oula. oh, quel enfer. Alors. J'ai pas compris. Je vais te Pardon. lire la petite carte parce que c'est trop mignon quand même. Ma chère Ellie, je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Tu es une personne merveilleuse. Comme promis, je te mets des paillettes dans ta vie, au sens propre comme au sens figuré. Et j'espère que cette jolie carte te fera plaisir. Allez, la bise sur ta joue gauche, ou ta fesse si tu veux. C'est Sur trop ta mince. gauche. Sur ta joue gauche, ou ta fesse si tu veux. Oui. C'est beau, c'est poétique, C'est j'aime. trop mimes, mais putain, il y a des Vraiment paillettes laid. partout, j'ai envie de crever. Ah! Théma! Théma, regarde, mon doigt il est argenté tellement il y a paillettes dessus. Oh, secours. Comment je fais moi maintenant? Ah, Comment? tu fais. Oh, attends, mets un masque, là t'es en public. Tu donnes un mauvais exemple. Comment ça? Non, parce que tu sais, normalement, Ah, quand oui, t'as le c'est vrai. Covid et que tu vas dans les C'est espaces vrai. publics. C'est vrai que je devrais. Bah, non. En fait, non, Non, mais. tu sais que Ah, oui, ben tu non, sais que ton je suis masque chez ne moi. Oh sert là, allô. absolument à rien. Un masque pour le Covid, ça ne sert absolument à rien, parce que le virus du Covid est plus petit que les mailles des masques. Donc, porter un masque quand vous êtes malade, ça sert à rien. Enfin, du moins quand vous êtes malade du Covid. Voilà. J'en sais rien. Je vous le dis, je vous l'apprends. Fais un trou dans ton Voilà. masque pour mieux respirer. Mais non, Tout mais à fait. moi je suis très bien ici. Hein. Madame Atta, elle aura sûrement le Covid aussi, mais qui Oh, le pas sait? forcément, tu sais. Surtout qu'il ne passe pas via la fibre, bien sûr. Nulle la vanne Kerr. Oh là là. Ça commence à se Petite taper avec bouffe. Ah, Kerr ça là. y est, ça recommence. Ah, putain de Ah, j'ai fait un opening de cartes Pokémon. On m'a offert des cartes Pokémon pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire c'était le 18 septembre. Mais pourquoi Tous tu me l'as les pas ans. dit? Mais je t'aurais envoyé un truc banane. Mais non, mais
ça va. Oh bah si! Oh, je t'aurais envoyé une merde, genre des bonbons ou une connerie du genre, mais. Déjà que mes parents, ils m'ont dit, hey, tu veux quoi pour ton anniversaire? Et j'ai dit, hey, mais je sais pas. Hey, je suis en vie, c'est beau. C'est Et au déjà pas mal. final, ils m'ont acheté un truc trop stylé. Bah ouais, mais quand Vous voulez que même. je vous montre ce qu'ils m'ont acheté ou pas? Dans le chat, dites-moi. Allez, Je vous montre-nous. montre mes cadeaux d'anniversaire si vous voulez. Mais je Mais veux Lily, dire. malheureusement, elle pourra pas voir. Bah, je verrai sur la rediff, c'est pas grave. Mais t'es un collègue quand même pour ton anniversaire. T'inquiète pas, Ellie, y a pas de. Bon, bah, t'inquiète, je vais le noter pour l'an prochain. Oui, vous voulez voir, d'accord. En fait, mes parents, ils m'ont acheté un outfit. Un outfit. Waouh. Oui, je me suis payé un outfit assez stylé et je vous ramène incessamment sous peu les différents éléments de cet outfit-là. Putain, le mec il va être J'arrive. BG. BG le Hata, et moi je suis couverte de paillettes, bordel de cul! Alors, comment vous dire? Lauriane, je t'aime, mais j'ai très clairement envie de te casser la gueule. On joue à quoi ce soir? C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'avec Hata, on sait jamais à quoi on va jouer avant d'y jouer. Et on ne jouera pas à MK, je pense, parce que à mon avis, il est bien trop fatigué pour ça. Voilà. Ah putain, les paillettes de Alors, merde. voici Tu m'en veux pas, Choupette, je vais jeter ta carte à la poubelle. le costume que je me suis acheté avec le derrière de costume, avec l'espèce Voilà. de veston. Je me suis pris un veston. Et le pantalon qui va avec. Ça donne ça. À quel point il est BG? Dites-moi les gens. Je l'ai pas mis sur moi là. Allez chez lui, allez chez lui, ouais. Allez sur son stream Il et va revenir avec le même dites-moi à quel pantalon que point ça j'ai va être acheté. BG. Le TDR, t'as exactement le même mais en clair. Ah non, celui-là il est beaucoup plus beau. Et puis surtout, j'ai un veston derrière. Dans celui-là. Propre, merci. Et c'est pas fini, les amis. Regardez, j'arrive avec le petit cadeau secret. Non mais sans déconner. Je sais pas si t'es là, Atta, mais j'ai l'impression d'être un vampire dans Twilight. Va te laver les mains, mais je peux pas, c'est loin! J'ai envie de mourir. Bonjour Aaron Hip Hop 69. Alors, Bienvenue. Ellie, je t'entends, mais. Ça va et Enfin, toi? là, je t'entends, mais 2 secondes, je vais juste montrer parce que je me suis Ouais, acheté non un. mais y a pas de soucis, t'inquiète, prends ton D'accord. temps. Et donc, Ellie, là, tu m'entends, moi, je t'entends pas. Mais en gros, je me suis acheté une. Comment ça s'appelle déjà? C'est un truc qui fait genre mi-casquette, mi-un béret. Je me suis acheté un béret. Enfin, ça fait Attends. mi-casquette, mais je me suis acheté Non, un béret. attends, attendez, Et du coup, attendez. ça va trop bien avec Le chat, est-ce que quelqu'un peut aller me faire un un béret, screen? voilà, c'est ça. Manque un peu de couleur, tu pourrais Est-ce que faire un quelqu'un truc peut aller me stylé. faire un screen de Hata avec un béret? Une casquette, ça, non? Non, c'est un béret, je Je pense. jette pas la carte, Lauriane, promis. Ouais. J'aurais plein de paillettes de merde, mais je jette Une pas. casquette. Bah, c'est une casquette, les amis. Mais j'ai un béret à côté. Mais c'est une casquette. Je suis dans l'expectative, Polo. Voilà. Vraiment, J'espère je sais que pas. vous trouvez ça stylé. Il manque une baguette et un verre de vin rouge. Ouais, clairement. Pour le On a coup, vu que t'étais c'est le nouveau, seul Aaron, truc qui me t'inquiète va à pas. peu près sur la tête, une C'est casquette jusque comme là, ça. là c'est un petit peu Enfin, je compliqué. dis à peu près, mais c'est les avis de ma famille. Après, peut-être qu'ils n'ont pas été forcément très objectifs là-dessus. Je vais reposer tout ça et je suis de nouveau à vous. Et je vais ramener un dernier cadeau qu'on m'a offert de la part de mon cousin. Je reviens. J'ai envie de canner. Envie de canner fort. Je suis vraiment dans l'expectative entre je vais me laver les mains, même si c'est loin et que dehors il pleut et voilà. Ou est-ce que je reste là? Et bats les couilles, je mets des paillettes dans ma vie. Je suis vraiment dans l'expectative la plus grande. Voilà. Voilà. Et du coup, Aaron, bienvenue. Merci infiniment de venir sur cette chaîne. Mets-toi bien. Re. Et voici donc le cadeau que m'a offert mon cousin, c'est un porte-crayon Oh, Choix merci Aaron, merci beaucoup. Un porte-crayon Choixpeau, carrément. Peau. Ouais, il est incroyable. Nice. Alors attends. Attends, parce que Bastien m'a fait un screen de ton béret. Ah, et Lauriane aussi. Oh, mais t'es stylé avec un béret! Oh, on dirait un Gavroche, c'est trop classe! Ah, tu vois Peaky Blinders? J'ai pas la même ref! Ah non, mais j'ai des refs à Renault, c'est pas tout à Ah, fait je connais. pareil, hein! Voilà, et là je mets mes crayons en fait.
J'ai pas de crayon pour vous montrer ce que ça donne. Tant pis. Ah là là. Je vais reposer ça. Hop. Hop. Le nom du clip, il s'appelle Blair de paillettes. Oh putain, ça me tue. J'aime pas les paillettes. Ah. Les amis, étant donné que vous êtes ici, parce que tout à l'heure vous étiez pas là, regardez. Y'a pas de souci, Aaron. Enfin, j'ai la montre que je vais vous offrir, elle est là. Il a la montre. Il a la montre. Regardez, celle que je vais vous offrir pendant les 24 heures. Et bien évidemment, je sais que je dois des cadeaux à certaines personnes, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais je vous... Non mais prends ton temps, mec. T'es malade, t'as des examens. Prends ton temps, hein, vraiment. Voici la montre Ice Watch que je vais vous faire gagner, blanche. Et ça, c'est une montre qui vaut 80 balles. Hein. Bien sûr, Lauriane. Si tu me mentionnes. Voilà, y'a pas de soucis. Hein. Là, celle-là. Voilà, je vais faire gagner ça. Poupi poupi loupi pou. Donc voilà, et sachez que ça sert, après la boîte, ça sert de tirelire. D'ailleurs, qui utilise une tirelire en 2022? Bonjour. Ah ouais. Ouais. Non mais en fait, c'est quand j'ai de la petite monnaie qui me reste, je la fous dans une tirelire. Puis après, quand j'ai plein de pièces, bah je vais à la poste et je les change. Tu vois, contre des billets. Bah, c'est chiant, moi je fais tout par... J'ai même plus de pièces sur moi, ni de billets, mais c'est tout en virement. Bah ouais, mais moi j'ai des trucs que je peux pas payer par carte bancaire ou virement ou truc comme ça, tu vois. Voilà. Genre ton shit. Pas du tout. C'est hyper drôle, by the way, mais pas du tout. Non, c'est genre le pain. Mon boulanger, il prend pas la carte. Mon pizzaiolo, il prend pas la carte. Et flemme de faire un chèque pour 3 euros et quelques. Ton boulanger, il prend pas la carte? Bah non, parce que c'est un petit boulanger de quartier. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il fait 200 pains par jour, c'est tout. Moi, je mets mon argent dans mes joues comme mon hamster. Vous m'aviez manqué, les gars. Mon TikTok, c'est une bonne question, bouge pas. Ouais, bah attends, on va faire le test, on va voir si... T'inquiète, madame, attends, la voit ou pas. Tu nous avais manqué aussi, Loulou. Hein. Pourquoi je t'appelle Loulou? Ça y est, je suis devenue ta daronne, putain. Je te donne des conseils pour te soigner, c'est bon, c'est fini. Non mais vraiment. Merci Eddie, ça me touche beaucoup. Mais faut pas, t'inquiète. J'ai eu 3 cartes Pokémon en plus. 3 cartes Pokémon? Exceptionnel. Ouais. Je vais le lire. J'ai eu Blizzy, le Pokémon de type plante. Je sais pas qui j'ai c'est. J'ai eu Natou, la youtubeuse. C'est drôle. Et j'ai eu Liv, le ouais, c'est ça. Je me suis mis à regarder plein de vidéos de. Avec un L et deux I. Pokémon et j'adore ce streamer, elle est tous du faire foutre ce qu'il aime. Bonjour Arc, bienvenue. Parce que le pauvre. Comment vas-tu? Il m'a pris dans la gueule qu'aujourd'hui je le trouve génial. Je trouve vraiment cool qu'il ait repris le fait de d'ouvrir des boostés Pokémon. Je sais pas, moi j'ai jamais regardé David Lafarge. Bah, il y en a beaucoup qui l'insultaient. Ouais, j'ai vu passer. Ouais. J'étais le premier à l'insulter, hein, j'ai pas de mytho, et sauf que bah, quand t'es suiveur de masse un peu ouais. Con et machin... Ouais, quand bon, t'es jeune, quoi. C'est ça. Et, bon, on au grandit final, après. Bon, oui, il surjoue beaucoup, 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 mais... Bah ouais, mais le surjeu, c'est ça qui marche. Ouais, mais donc, bon. Moi, c'est pas dans ce sens-là que j'aime bien ce mec, c'est qu'il est vraiment... Enfin, c'est pour moi la définition du mec qui dit « Vous voulez me chier dessus, j'en ai rien à foutre, je continue », tu vois. Je les mets un peu dans la même catégorie que Sardoche, tu vois. Ouais, je la vois. Non, mais je comprends de c'est ouf. Le genre de mec ou leur communauté, bon. Commu toxique, on va dire. Moins pour David maintenant, mais ouais. Oui, je te suivais, Lauriane. Leur, leur shit. Je te voyais. Clairement, et les mecs sont là juste, non, moi je suis juste ma passion, tu vois. Stranded Deep, on y joue un petit peu, Arc. 10% de joueurs qui sont gentils avec nous, ils continuent, tu vois. Et ça, c'est respect. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Hein. Moi, je sais pas si j'arriverais à tenir si les trois quarts de ma commu étaient des gens malveillants, on va dire. Je pense pas. Si mais... j'arrive à en vivre, moi je pense que je mets tout en sub only. Bah quand même pas, déconne pas. C'est triste un peu. Oh non. Ah bah moi les mecs, si jamais j'ai que des connards sur mon live, généralement les connards ceux qui me connaissent pas, ceux qui savent. Merci Arc. Je mets juste c'est gentil. Sub only tout le temps. Ah moi je trouve ça triste un peu. Ah, moi je préfère tu vois m'entourer d'une bonne team de modérateurs qui t'a bannir beaucoup 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 de personnes, mais pouvoir laisser parler les gens tu vois. Faut les trouver tes modos hein, parce que là t'en as pas besoin de 5 hein, parce que tu sais que les modos de Sardoche t'en as plein qui sont barrés et tout. Ouais bah c'est normal parce qu'ils doivent prendre ils doivent s'en prendre plein la gueule aussi. Hein. Ah oui même ils trouvent dans la sauce genre. Attends. Les modos attends. C'est genre au calme tu vois. Ouais c'est vrai. J'ai Polo qui fait je suis toxique, by the way je me lave aux produits chimiques. Ah moi t'es trop con Polo.
Avant, oui. Comment Avant, ça, j'ai avant, bien oui? vu. Bah parce que Madame Mata, elle m'a transformé par rapport à tout ce qui est, tu sais, soins et tout machin, tu vois. Genre, pas cool et tout. Ah, elle t'a mis Et bien, quoi. avant, je prenais du gros Head & Shoulders ou du Axe, j'en avais rien à foutre sous la douche. Et maintenant, c'est sur des trucs Ouais, en vrac et tout, tu vois. plus simple, enfin plus Ouais. sain, plus Non. sympathique, on va dire même. Je me bats tous les jours dans la rue contre des gangs d'Evo. Oula. Camille, Quoi? ça y est, je te laisse 2 semaines et tu deviens taré. Kier. Oh putain, si tu savais les discussions qu'on a eues avec Kier à 4h du mat. Enfin pas à 4h du 4 mat, heures du mat. mais genre de minuit à 1h du mat, c'est compliqué. Ah, Ouais. sur Insta ou truc comme ça? Ouais, non C'est mais quoi? c'est compliqué. Il faudra qu'on en discute, mais c'est compliqué. Ouais, ça vous gère entre vous, les gars. Hein. Moi, Là là. Non je mais je peux. comprends pourquoi c'est ton pote quoi. Pas de soucis. Il t'a pas raconté des trucs sur ma gueule, Ah quand non même. non, non non, quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Et non Polo, on va pas sur MK ce soir. C'est négatif. T'as eu le résultat? Putain, je prie. Ah. Madame Mata est négative. Oh là là, j'ai peur. Incubation, j'en sais rien, je sais pas. Le temps d'incubation du Covid, c'est 3-4 jours. C'est 3-4 jours le temps d'incubation du Covid. Ah mais tu t'es fait tester samedi soir. Samedi j'étais positif, donc en gros t'es encore aujourd'hui et demain. Voilà. Coucou Manu, ça va? Je nierai toute implication dans cette T'as rien vu, discussion. Zarfex. Tu n'as rien vu. Ça va T'as rien vu? Manu, tu vas bien? Et pourquoi pas du MK? Je vais Parce faire que tomber Atta Arma est Mania après, éclatée. hein, vous inquiétez pas. Hein. Atta est Mais c'est qu'en défoncée. fait, je suis Tu encore peux en pas jouer attente du MK. mail. Je pense que tu l'as reçu là, là? Raté, Non, Zarfex. mais toi, on t'a dit. Raté. Attends, mais c'est abusé parce que. Tu sais, il y a un son quand les Madame gens Atta, on s'abonnent. lui a dit. On n'a pas fait le même test Arrêtez! PCR, pas au même endroit, pas à la même heure. Elle a fait un test PCR dans un autre endroit dans la ville où on est, tu vois. Et elle aurait dû avoir la réponse normalement demain, c'est ça? Ah, ce soir, 22h? Ouais, bah moi j'ai appelé le laboratoire cet après-midi, je leur ai dit, je leur ai quand la réponse, ils m'ont dit normalement tu l'auras aujourd'hui, je l'ai jamais eu. Mais bon, si tu l'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain matin. C'est pas grave. Ouais, mais bon, ouais. Ouais, faut C'est pas voir, grave. tu vois. Ah, chaud le Covid, bah oui, mais de toute façon Oui. après il y en a beaucoup dans Oui, tous les champs, Zarfex, pour en ça fait gros, vraiment peur. avant que je sois en live, bah Manu, toi tu savais. Carmine Guy aussi, je crois, ouais, c'est Carmine Guy aussi, il est au courant. J'adore la cam comme ça, c'est vrai? Merci. Mais C'est comme ça n'empêche. Madame Mata peut passer. N'empêche, il y a un truc que je trouve fou. C'est qu'on veut bien te filer un arrêt maladie pour le Covid, même si t'as pas de symptômes. Mais alors quand t'es éclaté, que t'as une méga grippe, arrêt maladie, mon cul. Ça dépend. Je peux pas te le cacher que ça dépend. Moi je sais que. Mais après, moi je connais des cheat codes en gros, entre guillemets, parce Ouais. que j'ai des. T'as des J'ai potes des médecins, gens. toi. Non, non, j'ai pas de pote médecin, mais. Ah ouais, Madame Mata est négative. Ok. Non, mais c'est pas que j'ai pas des potes médecins, mais. C'est pas des potes, mais je connais une application certaine sur mobile qui fait que tu peux avoir des arrêts de travail assez facilement, quoi. En gros. Excusez-moi, monsieur. Non, mais c'est pas moi. Moi, je l'ai utilisé en fait une fois, Non, mais c'était mais. pas pour faire des faux arrêts, hein, En gros, c'est une application qui te permet d'avoir un médecin en visio. Tu Ah. sais, ces trucs-là, là. Oui. Sauf que le truc, c'est que tu peux tellement facilement mentir et dire que Ah, t'es bah pas bien, ça. que Ça, c'est voilà. sûr. Moi, je l'ai fait, bah, du coup, jeudi dernier, jeudi matin, parce que bah, jeudi matin, dans une ville comme Nantes, va trouver un Ouais. médecin. Non, mais c'est sûr. Et encore, toi, Donc, t'es je l'ai en dit, ils ville. sont morts. Imagine-moi à la campagne le merdier pour trouver un médecin. En plus. Ah, C'est une galère, de toute façon partout c'est une galère. Donc je me suis dit c'est mort, mais. donc Je suis dans un désert médical, c'est bon pour vous? j'ai Voilà. appelé directement le truc. J'ai appelé directement le truc J'ai et jamais joué à Granny, j'ai aucune idée de puis ce que c'est. j'ai eu une médecin au téléphone, machin, en visio, et je lui ai dit ce que j'avais. Elle était en mode bah. J'étais en mode bah est-ce que je peux être remis sous pied genre pour vendredi? Parce que je voulais pas louper 2 jours de cours, tu vois. Ouais, bah ouais. Voilà. Arrêt de travail est différent de arrêt maladie en vrai, attention. Ah oui, possible. Après, je me connais pas trop moi dans Ah, toute moi l'administration. je connais rien du tout. C'est. T'as pas un truc genre SOS médecin, on a ça à Brest, c'est efficace, c'est des médecins qui viennent directement à domicile. Ouais, mais si tu veux, Oura, le temps que ton médecin vienne chez toi, te valide ton truc, que t'es pas bien, que machin, que truc, moi je préférerais faire une visio avec un médecin,
Sachant que moi, de toute façon, les médicaments, je n'irai jamais les acheter et que je resterai tranquille dans l'appart sans bouger. Parce que je pars du principe que c'est comme ça alors, que je me soigne le mieux, tu vois. Les médicaments, c'est juste pour me soulager, moi j'en ai rien à foutre. Et voilà, tu vois, j'avais pas Bah, envie. quand même, les médicaments, ça peut être pratique. Genre, avoir de la fièvre, c'est bien. En avoir trop, c'est pas bon. Ouais, non, mais d'accord, mais là Par j'étais exemple. pas au point, si tu veux, de. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma ta. Ok, On est je 10, retire. exceptionnel. Merci beaucoup. Qu'est-ce que. Il y a des gens, ils m'envoient des trucs, je sais pas ce que c'est, mais. Ça me fait peur, les gens, ils me disent check ton Insta. Mais m'envoyez pas des mèmes! Arrêtez! Oh, excusez-moi, je sortais la pizza du four. Au secours! Il y a Ouais. mes viewers, ils tentent de m'envoyer des mèmes! J'ai déjà Ouais, care pour ça! y a Bastien tout à l'heure qui m'a dit oui, tu veux pas faire Mario Kart avec Ellie? Alors je suis désolé les amis, mais ma Switch n'est pas branchée et j'ai clairement la peine d'aller la chercher là. Je vous avoue ce soir. Il est explosé le garçon, je vous avais bien dit qu'on jouerait pas à Mario Kart. Parce que là, ils sont deux dans mon chat en mode mais jouez à Mario Kart! On y jouera parce que je l'ai Ah bah cette bien Switch. sûr, non Mais je mais. sais plus où est la disquette par contre. Lauriane, si t'es encore là? Tu vois ce que je veux dire, Lauriane. Et sinon, les examens, ça s'est passé comment? Bah écoute, Tout il à y a fait. eu un début et une fin quoi. Écoute, déjà, c'est En pas fait, mal. Il y aurait pu non jamais y avoir mais. de début. Quand t'es en master, c'est pas genre 2 plus 2 égale 4, tu vois. Ouais, bah ouais, je comprends. C'est. Il va y avoir un En fait, ça MK, dépend toi, énormément de la moi, notation et du Atta type de et notation que des j'ai pas. gens Et du aujourd'hui, je chat. sais pas comment est 9. Je sais pas comment l'école va noter ce que j'ai fait, donc j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire si c'était très bien, si c'était vraiment ultra mauvais ou si c'était ok. J'en sais rien. Je sais pas. J'espère juste valider mes modules et passer en master 2, quoi. Tu t'es fait une sacrée part. Hein. T'as bien raison. Attends, j'ai Non, par peur. contre, ça m'inquiète parce que si jamais j'ai pas mon test positif, ça veut dire que les 2 jours là où je suis pas, là, où je suis pas au boulot, bah. On t'entend pas beaucoup, Atta. Bah, parce que je suis malade. Il parle tout doucement, foutez-lui la paix, montez votre son et ne te faites pas chier. Après, Et oui, je pense qu'on va Ouais, jouer est-ce à que c'est le Baby in soir que Lello, je pars? évidemment. Il a l'air trop Mais bien. je peux monter si vous voulez le mic, normalement. Je peux le monter un Il peu monte pour le que vous. mic. Merde, j'ai verrouillé le volume. Ah là là. Oh d'ailleurs. D'ailleurs, mon bon Atta. Attends, j'essaie de remettre mon chausson parce que le sol est gelé. Parce que j'ai un sol maintenant et ça c'est exceptionnel. Micro, J'ai un sol donc stylo. je peux avoir ma chaise à roulettes et ça c'est fantastique. Mais du coup, tu parles fort, Ellie. Ah, Ellie parle fort. Mais c'est parce Ah. que j'ai monté son son tout à l'heure, mais Ouais, je suis baissez désolé mon de son ce les qui se enfants. passe. Baissez, baissez. D'ailleurs, en parlant de son. Ah putain, je peux pas aller plus loin. Le sol est trop haut. Enfin, le plafond est trop bas. J'ai enfin ma carte son externe. Ce qui veut T'as dire. acheté quoi? C'est une Scarlett 2i2. C'est comme la tienne, sauf que j'ai Incroyable. deux ports d'entrée. Est-ce que tu veux faire de la musique? Oui. Et ça, Bah, mon pote. c'était juste pour ça. Ah là là. La 2i2, elle a une entrée en plus pour pouvoir rentrer un truc de son. Ouais, bah ouais. Comme ça, je pourrais rentrer et mon micro et ma guitare. C'est ça, voilà. Et Enfin, en fait, ça? c'est pas que et micro, enfin, c'est pas que et guitare et micro, mais tu peux avoir deux Oui, entrées. tu peux foutre un Donc, jack et un XLR et c'est fantastique. je me suis posé la question, je t'avoue, je crois que c'était 50 balles de plus ou 30 balles de plus, 30 balles de je plus. crois. Ouais, parce que tu as payé 160, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, À peu moi j'ai près. payé 130. Voilà. Mais Bah, je si trouve t'es, que c'est t'as 30 balles regardé la qui en valent marque la que je peine. t'avais. T'as regardé la marque que je t'avais montrée? Bah, c'est Focusrite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les petites boîtes Je t'avais rouges. envoyé le lien, je crois. Ouais. Elle est Voilà. bien, hein. Franchement, elle est cool. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de la tester, Bah mais écoute, il elle est s'avère vraiment bien. que mon frère a exactement la même pour faire ses enregistrements, Bah parfait. donc elle doit être bien. Et puis ton Voilà. micro, il arrive quand? Bah mon micro, il est déjà là. C'est mon micro que j'avais sur scène quand j'étais chanteuse. Ah, c'est vrai, putain. Et t'as le socle? Tu l'as avec? Ouais, j'ai un pied de micro. Enfin, un bras de micro. J'ai peur de l'installer, ça a l'air d'être une machine de guerre, machin. Bah, j'avoue que moi j'étais un peu loin pour l'installer. Hein. Ah En ouais? plus, j'étais en live. Oh, quel enfer. Ah, Je devais être franchement. accompagné normalement de personnes compétentes, mais. Les personnes compétentes ont fui. Non. Disons que on a eu le droit à l'appel à un ami lors de ce live-là. Terrible. Ouais, Quand les marrant, je MK, comprends quand pas, Atta j'ai sera plus malade. peut-être 4 ou 5 followers depuis que j'ai pas stream.
Genre le truc. Ouais, J'ai mais c'est plus de normal. followers en stream qu'en streamant, quoi. Bah non, mais c'est juste que c'est normal, il y a des gens qui tombent sur ta chaîne, sur tout ça, Ouais, sur mais tes bizarrement, TikTok et le mec a compagnie. trois fois le même nom, quoi. Ah, non, oui, toi aussi tu l'as eu. Black Le Mass, fameux Black Mass. c'est notre cher Black Starf national, tu vois. D'accord, il a décidé de se Voilà. faire trois comptes pour follow trois fois plus. Alors, je sais pas s'il a fait ça, ou si c'est juste que, comme un débilus, il perd ses mots de passe. Et du coup, au lieu de faire mot de passe oublié, il en Ouais, enfin, tu recrée un à sors chaque fois. toujours élu, ça m'étonnerait quand même. Je sais pas. Je Moi, saurais je pas pense te dire. vraiment juste c'est du follow boosted, ça c'est pas bon, Black, faut pas faire Il ça. faut pas faire ça. Mais je pense que c'était pour me faire passer à 399 followers. Je pense. Voilà. Voilà. Demander Mais pire pour je les vais les virer. micros. Oui, bah c'était ça. Ça, je sais. Toi, Alors t'as pris attends. le micro de ton sœur. Ah, Kier, t'aurais pu ne un pas G l'appeler son ou aussi un au... G Oh, lumière? du coup, ça Je me souviens plus. Kier, il va. a un Un G son ou G-Lumière. un G lumière? Un G lumière, on est d'accord. Un G-Lumière, Kier, bien sûr. Il me semblait. Oh, J'avais un vieux non, il est pas un doute. G-Son, là. Oh, bah non, Oh c'est Léo, pas un coucou! G-Son. Léo, j'ai des paillettes plein les mains. Oh, Excuse-moi, du chômage. Arrêtez. j'ai Léo paillettes sur mon chat et j'ai des paillettes Mais plein c'est les mains. pas un G en plus, c'est technicien lumière que t'es, Kamengi. Je sais plus. Mais Doit être ingé ça. lumière et technicien lumière, c'est à peu près la même chose. Alors, je crois pas. C'est un rôdi, quoi. Un G perfection, ouais. Non, c'est ça. Terrible. Un G pur BG, ouais, allez-y. Oui, Ah bah oui. technicien lumière, MDR, pas ingénieur. Ouais, parce qu'ingénieur, c'est autre chose, je crois. Ouais, Je crois bah qu'ingé lumière, c'est pas ingénieur, t'as différent. plus d'années d'études, il me semble. Oui. Alors, dans le sens littéral d'ingénieur, oui. Après, le mot ingénieur est utilisé n'importe comment. Moi, techniquement, on dit que je suis ingénieur commercial, mais moi, je dis que je suis juste commercial. On peut me casser les couilles Comment avec des ça, mots. t'es ingénieur commercial? Ouais. T'as fait des études d'ingé? Ah, mais non. Le niveau ingénieur, c'est un niveau d'études. C'est pas genre. Genre, par exemple, aujourd'hui, tu fais bac plus 5, t'es considéré comme un niveau ingénieur. Donc quand t'as un master, t'es ingénieur? C'est ça que t'es en Ouais. train de me dire? En gros, ouais, moi je suis pas ces trucs-là, j'aime pas ces trucs-là, je me considère pas comme ingénieur. Mais en gros, aujourd'hui, c'est comme ça, ouais. Genre mon frère, il est ingé? Oui. Oh! Mais ça veut plus rien dire, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les écoles d'ingénieurs, bah tu ressors, t'es ingénieur, sauf que t'as fait bac plus 6, du coup tu comprends pas trop, tu vois. C'est Le compliqué mec, cette histoire. il vend des clés anglaises, c'est pour ça qu'il est ingé. Je vous avouerai que moi je me suis arrêté en première. Donc vraiment, Ah oui, bah tous pour les ces études sup, c'est sûr trucs-là. que là, ça doit être vraiment un monde à part. Moi Et j'y là, c'est pige mieux. rien. Et c'est plus facile que le collège, enfin, c'est plus facile que le lycée, les études sup. Bah c'est parce que t'es dans un truc qui te plaît. Oui et non. Non? T'es dans un D'accord. truc, en fait. T'es spécialisé dans une seule chose. T'es pas à avoir du français, des maths, de l'anglais. Tu dois pas être bon partout, quoi. Tu trouves juste la matière où t'es bon, tu vas dedans, tu fais ton master dedans, tu fais ton truc dedans, et puis c'est bon. Ok. Après, je connais des ingé-sons qui ont pas leur brevet, un hein, diplôme, ça veut toujours tout et rien dire. Mais bien C'est sûr, vrai. après, tu peux choper ton diplôme et tu peux choper ton titre d'ingénieur en travaillant. Tout à fait. Moi, je sais par exemple que j'ai un de mes collègues qui est ingénieur commercial, où lui, il a fait un DUT, c'est tout. On bac plus 3, mais c'est tout, tu vois. Un DUT. Un dut. Oh, c'est mignon, j'ai Lio qui fait. Mais t'es avec qui? Coucou la voix off. C'est chou. Je suis avec Athanase. Athanase, ce petit monsieur-là, qui normalement est un petit peu plus péchu dans sa voix, mais il est malade, bichon. Voilà. Donc, Beaucoup plus péchu. tu prends ce petit point SO, tu vas sur sa chaîne et tu follow. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Non, non, puis ouais. Mais faut qu'on reprenne le. Moi, je suis bon dans les Souls, mais il n'y a pas de diplôme pour ça. Bien sûr. Oh. Merci, Lio Payette. Bienvenue. Ouais, Lio, Mais c'est une oui, perle. sachez, les amis, que les lives. Je sais pas si les gens se posent la question, mais les lives le lundi avec Ellie, ça restera comme ça. Hein. Enfin, Tout on à va fait. parler avec Ellie, il n'y a pas de changement ou quoi que ce soit. Enfin, pas la semaine prochaine parce qu'il est en examen,
Mais. Mais oui, à partir, enfin, Mais on jusqu'à la touche fin du bois de très fort de partout, tout ce que vous voulez. Semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il est là. De manière, voilà, de manière habituelle, on est, tu vois, on Oh! dit Le c'est, coup moi, petit, Florian! on sera toujours comme ça. Moi, c'est le seul planning de la semaine qui bouge pas, moi. C'est vrai, mais tout pareil, hein. Tout Les exams, pareil. c'est de l'eau, pas trop. Buvez de l'eau. L'eau, c'est bien. Dans 20-30 ans, il n'y en aura Ouais, plus. ah bah ça, quand t'es malade, l'eau, c'est ouf. Ouais, de ouf, hein. Bois de l'eau, Atta, élimine les toxines. Bonjour, bonsoir, peuple de la terre, moi Payette, je vous salue depuis mon royaume. J'espère que ma venue sera bien appréciée et est accueillie avec tout l'amour que je vous envoie. Il est pas trop mignon! Vous me souhaitez la bienvenue, s'il vous plaît. Les amis, comme d'habitude, vous êtes les meilleurs en plus, les Évidemment. mieux de tout le monde. Évidemment. Puis tu Donc vas voir, n'hésitez pas à vraiment. souhaiter la bienvenue et merci pour ce petit message, ça fait Vraiment, énormément plaisir. Payette est une crème, sache-le. Voilà. Je vois ça. Et pour être Et modo, faut juste être là depuis longtemps et que je puisse avoir ouais. confiance en vous, en Faut que je fait. fasse un live spécial. Je sais pas encore comment ça va se formuler, mais il faut que je fasse un live spécial retour live 24h avec les cadeaux que je dois donner. Parce que j'ai plein de trucs à faire. C'est vrai Une que galère. ça Une peut galère, être une gars. idée. Oui, absolument. Ouais. Et voilà, sinon les news de ton côté, il n'y a pas de nouvelles choses par rapport aux news qui sont arrivées dernièrement. Bah écoute, je suis à 399 followers. Oh mon dieu, il en manque plus qu'un. À 400, je suis à Outlast, j'ai envie de mourir. Bon, t'en toucheras jamais, ouais, d'accord. Non, mais écoute, voilà. Mon petit studio est à peu près terminé. Normalement, je peux rester dedans ad vitam aeternam. Je n'ai plus besoin de démonter mon setup et de le remonter. D'ailleurs, sachez que je l'ai remonté cet après-midi et que j'ai failli me tuer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, en gros, pour monter dans mon studio, il y a un petit escalier qui est pas très large, mais que tu peux soulever et décaler un peu, tu vois. Et en montant ma chaise, bah, j'ai failli me casser la gueule et me péter la nuque, tout simplement. Ah, c'est sympa Un vrai plaisir. Mais bon, là je suis là, j'ai du décor. Demain, je vais acheter des LED, histoire de foutre un peu de lumière là derrière. Et je vais être bien! Voilà, stylé. franchement, je suis trop heureuse. Et Et pour faire voilà. pipi, t'es toujours en galère? Ah ouais, c'est toujours un chahi! Le pot de chambre, il est des pots de chambre. Mais en vrai, je pense que je vais investir dans un tiroir à pisse, hein. J'ai plus d'autre choix maintenant. Non, mais en vrai, je vais. Je sais pas. Peut-être je vais me faire un trou dans le jardin, quelque part. Ou tu fais des toilettes sèches? Oh ouais. Ouais, mais foutre des toilettes sèches dans le studio. Ouais, j'avoue, c'est pas. Ouais, non. C'est un endroit où je suis censée être bien, être créative, tu vois. Je suis pas censée me dire, ouais, il y a ma piste là derrière, super. Oui, effectivement, là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. En tout cas, Voilà. sachez que je suis très content parce que vous voyez pas les backstage, mais je suis très content parce que Madame Atta peut se balader comme elle veut dans l'appart. Et Nice. ça la rend heureuse et ça me rend heureux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc, Ellie, quand même, un petit truc sur le studio là? Bah moi j'allais te proposer du golf parce que ça proposait du golf sur mon chat. Putain, j'ai des paillettes Sortir. partout, quoi. Y a Hop. pas de mise à jour Bah Et j'en ai la fibre pas chez vu. toi, ça donne quoi? Alors la fibre. J'ai vu les techniciens fibre qui sont en train de poser la fibre chez nous. Enfin chez nous, dans mon village. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit décembre. Ils m'ont dit sur fin décembre vous l'avez. Si je l'ai pas fin décembre, je casse la gueule à un Tecos. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà. J'avais tourné en roue, Manu, et je préviens encore une fois, si je tombe sur la danse nulle ou les 10 pompes, c'est mort. Je Tout te à fais un fait. compliment comme j'ai fait à Kiplix. Je vole pas tes paillettes, Bon, je vous laisse, je Lio. vais aller dormir, C'est pas ma bisous, mon pote. faute. Bisous, Kip. Hop. Alors attends. Mais au revoir, c'était Manu à gagner. Mais ouais, mais en vrai là niveau stream, je suis trop heureuse, j'ai trop de trucs cool qui Ah, arrivent. désolé. Désolé, mais quand vous êtes modo, étant donné que vous êtes VIP, vous gagnez rien, quoi. Vous êtes déjà Oh modo. là là, on gagne Vous êtes rien. surnommé. Terrible. Mais ça va, toi? Je suis Je désolé. le Et connais. ça va changer les post-it, on va les changer à un moment donné. Oh, il va Alors changer les attendez, comment on post-it. fait déjà? Personnaliser. Non. Ah si. Oh, j'ai personnalisé ma bouboule. Mais j'ai gagné plein de trucs. Attends, j'arrive. Depuis la dernière fois. Titi titi titi.
Est-ce que tu vas peindre les murs, je suppose? Alors, ce mur-là Pourquoi je suis sera pas peint, roux? les Je autres suis non. l'esclave des personnes qui me regardent. Voilà. Elle lit pas mes messages, j'ai débuté. Mais quoi? On vient me Tu demander noterais que si j'ai toujours pas loupé tes lives j'ai depuis un 3 semaines. téléphone. C'est Coucou vrai. Chloé, tu vas C'est bien? vrai. Mais sachez que je lis vos messages, hein, Mes même si je collègues les lis pas à m'ignorent voix haute. bien. Comment tu vas, frérot? Tuti tuti tout. Yasmine. À lire. Chez mes parents, la fibre c'est dans 2-3 ans MDR et c'est pas un village paumé, donc estime-toi heureuse, Ellie. Ah mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais faut dire que nous, on a gueulé très très fort pour qu'ils viennent l'installer dans le village. Hein. Voilà. C'est vraiment. J'ai l'impression que je suis giga blanc avec la caméra, c'est moi ou Bah c'est toi et c'est le fait que t'es un peu malade, surtout. Quoi? Pourquoi mon jeu il se capture pas? T'as loupé l'arrivée du nouveau collègue. Ouais, je sais, il est. Bah, tu le connais en plus, Loïc. Mais t'inquiète, on lui mettra ce qu'il faut. On lui mettra ce qu'il faut avec JB quand on sera bon. T'as un nouveau collègue? Ouais, j'ai un nouveau collègue qui est arrivé début de semaine là. C'est Mais nice. j'attends en plus, Loïc, les résultats du Covid là, mais. Ça me fait chier parce que je les attends toujours là et si jamais c'est négatif, bah, je l'ai dans le cul quoi. Tant pis. J'aimerais bosser quand même forcément, mais. En fait, ce que je suis en train de. Je suis clairement en fin de Covid, enfin, mi-fin de Covid. Sauf que, bah, tu sais, j'ai toute la fatigue que j'ai emmagasinée depuis début de semaine, enfin, depuis jeudi, en fait. Genre, j'ai fait exam, donc j'étais en mode stressé et tout. Maladie, genre Je de mettrai pas des jeudi à paillettes sur le dimanche, mur, et il y a Lauriane. juste qu'à C'est partir mort. d'aujourd'hui, tu vois, où je tousse un peu moins et tout. Mais le truc, c'est que je suis quand même malade, tu vois. Genre, je suis pas forcément très bien, je suis fatigué et tout. Et voilà. Ah mais nous aussi on gueule, t'inquiète, il y a la fibre dans certaines parties de la ville, genre à 100 mètres de chez moi il y a la fibre. Ah, ça Je c'est connais un pote dur. en face de Oh, chez lui, il y a la fibre mais pas chez lui. oh ça c'est dur. Et on fait du folk. On fait du golf, Slowey, ce soir. Donc si tu veux venir, tu peux y aller. Et d'ailleurs, Okay. Calesca Modo peut changer la description du live, tiens, juste mettre golf. Pas juste chatting, s'il vous plaît. La catégorie. Et après Dis-moi, coup je du vais stress me des faire examens gagner en vrai. par Bah il y Lauriane. a Je ça, suis moi c'est pire parce que Vassia! j'ai passé mes examens. Excuse-moi Elie, hein, je suis un peu vague. Hein. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, moi je lis mon chat, je parle à mon chat en attendant, y'a pas de Ouais soucis. bah attends, je vais me couper mon micro. Il coupe son micro. Il nous abandonne. Il nous aime plus. On le savait. On le savait, il nous aime plus de toute façon. Attendez, je vais mettre un petit pull. Putain, j'ai des paillettes jusque sur mon t-shirt. J'ai envie de canner, Lauriane. J'ai envie de te casser la gueule et de te serrer très fort dans mes bras. Vraiment, c'est un sentiment étrange. Et ah oh, putain, oh, mais je vais avoir des paillettes partout sur mon pull. Oh bah ça y est, il y en a partout sur mon pull, putain de merde. Ah! Tu te rends compte que mon setup était parfait et qu'il va falloir que je vienne y passer un putain de coup d'aspirateur? Alors qu'il était parfait! Je suis sûr, même Monsieur Ficus, il a des paillettes. Envie de mourir. Je t'avais dit d'aller te laver les mains. Ouais, mais j'ai une flemme. Mec, il faut que j'aille me laver les mains, c'est à 10 minutes. C'est super loin, t'imagines pas, hein. En plus, ça caille dehors. Enfin, c'est. Lauriane, t'es un amour, mais je te déteste. Mais oui, je t'aime. Mais tu casses les couilles, putain. Ah, j'en ai marre. Il y en a plein, mon siège. Je vais retrouver des paillettes dans mon lit. T'aurais pas pu choisir des paillettes plus grosses qui soient super simples à nettoyer? Là, elles sont fines. J'ai jamais vu des paillettes aussi fines. C'est impressionnant. Vraiment, c'est un truc de fou. Un peu envie de mourir, mais c'est un truc de fou. Hep. On rapproche le clavier. T'es vivant, Atta, ou... Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de remettre le Je m'en l'ID. doutais. Je m'en doutais. T'inquiète pas. Jouer en public, joueur max 12, Ouais. héberger. Ah merde, non, j'ai pas mis en public, pardon, retour. Il a pas mis en public. Héberger, mot de passe. Le mot de passe, comme d'habitude, c'est 1, 2, 3, 4, et la partie, c'est Athanase, les amis. Évidemment. Vous pouvez rejoindre comme d'habitude, vous connaissez les habitués, Slowey, tout ça. S'il y en a qui veulent venir en vocal, n'hésitez pas à rejoindre n'importe quel vocal du Discord, du nouveau Discord d'Athanase. Vous allez par exemple dans le chill, voilà, où il y a Slowey, je vais vous tous vous décaler. Ok, on va attendre un petit Tu peu, veux avoir je des gens l'attends. qui viennent avec nous alors que t'es explosé? Ouais, t'inquiète. Oh, t'as la foi, toi, hein. T'inquiète, t'inquiète. Tu as la Mais foi, hein. de toute façon, dans une demi-heure, je suis parti.
T'as le jeu, Lauriane? Lauriane, si t'as le jeu, viens jouer. Et puis même, faut que je m'amuse un peu pour le verre. Non, mais oui, j'avoue. J'avoue, profite, hein. Détends-toi un Mais bon oui, coup, et puis voilà. effectivement, on a quelques parties que tous les deux, je t'ai pas posé la question, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, hein, moi je le vis bien. Hein. Je veux Y a dire, pas de si on prend soucis. le jeu, c'est quand même pour pouvoir jouer avec les autres, alors. Oui, c'est vrai, effectivement. Slowey est déjà là, putain, quel truc. Moi je me demande, Non, est-ce que mais... Lauriane a le jeu? Parce qu'elle me fait, tu veux que je vienne? Alors je me pose la question. Sauf que juste avant, Manu, elle t'es... parlait de mon lit, alors j'ai un peu peur. Ah, Manu, t'essaies de te connecter ou pas au compte Twitch? Et ouais, 21h30, on va partir sur MK, les gars. C'est Voilà. toi, Manu, ou pas? Si c'est toi, je t'envoie le mot de passe de suite. Touti 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 Tu touti l'envoies touti. pas, je pense. Je vais lui envoyer. J'ai une question très con, parce que Dis-moi. je vois un message de Zarfex dans mon chat, et je me demande, qui écoute de la ASMR premier degré? Non. On est d'accord, c'est bizarre la ASMR. Ouais, mais c'est... Alors, le point d'exclamation Discord ne fonctionne pas sur ce chat, je suis réellement désolé. Tu peux cliquer sur la bannière en dessous le live, Lauriane. Ça marche Il y a pas. directement une bannière où il y a écrit Discord, et tu Ah cliques mais juste si par t'as besoin du réflexe. Discord data, ne bouge pas, je vais te le chercher. Allô? Allô? Mesdames, bonsoir. Eh bien Bonsoir, bonsoir, Chloé. Slowey. Comment allez-vous? Ça va être toi? Comme un malade. Terrible. Hop, J'ai une je te maladie. redis. Grand malade. Non mais laisse tomber. Hop. Putain. Bref. Ouais, c'était Mais ça Dé va, déjà. comment en ce moment? Tout le monde va bien. Écoute, tout le monde va bien. Déjà, c'est un miracle Parlons qu'il soit là. de... Je t'ai envoyé Parlons le lien de de son blagues. Discord, Choupette. Ouais, c'est ça. La force commerciale est diminuée cette Les semaine. deux, j'ai peur. Non. Et bien oui, tout à Mais pas de fait. soucis, Polo. Effectivement là-dessus. Pourtant j'ai proposé à l'ARH, je lui ai Poupi, dit poupi, bah je vais poulipou. te donner mon arrêt de travail, mais si je peux faire des choses quand même dans la semaine, tu vois. Lila pali, pali, Et elle m'a dit non non palou. mais Tu n'es pas repose-toi. censé être en période scolaire en plus? Non, c'était semaine Hop, dernière ma hop, période scolaire. Ah oui, c'est vrai, oui, hop. je confonds avec JB. C'est cette semaine où je devais être à la boîte, mais le truc c'est que... Atta, est-ce que tu peux ramener Lauriane avec nous? Oui, bien sûr, elle est là. Elle est dans chill. Ça marche. Oui, Bonjour. bonjour. Bonsoir. Faudrait-il que son micro marche? Bonsoir. Ouah, ton son est fort! Oh, je vais baisser le son, c'est pas possible. Mais pourtant, j'ai parlé doucement pour une fois. Ouais, mais ton son était à Vous êtes. 200%. Ça fait mal. C'est Je vous le dis, d'habitude, on je vous mets. gueule, donc forcément ça va, mais là. Je vous mets Mais là, 20% moins j'étais fort que calme. d'habitude. Oh! Comme ça, ce sera un 20%. stream très calme pour Oh, moi. 20%. Ah, Alors, oui, putain. meuf, j'ai le jeu, ça te va? Ah, Tu me fais nice. ça comme. Coucou Attends, par contre. Atsuki. 70% les deux, parce que. Comment Oula. vas-tu, Atsuki? Mais ta bouche. Oula. Elle va bien, merci, hein. Enfin, Une jusqu'à tonne de preuve du personnes contraire. Mais qui c'est veulent. le jeu. Je stream pas ce soir. Oui, parce qu'il faut Et savoir elle qu'elle a joue son mec parfois. juste à côté d'elle. Ah, toi Voilà. aussi, t'as un monsieur qui est à côté de Ouais, toi. c'est Kaven. Oh, ta cavette. Mon âge, elle a reçu les paillettes dans sa vie. J'ai envie de crever. J'ai une paillette Et sur mon nez! Oh non! elle a réclamé. J'ai envie de crever. Elle est contente, elle a envie de clamser. J'aime pas les paillettes. Quoi? Elle a les paillettes dans sa veine. J'aime pas les paillettes. En plus, faut que je me gratte le nez et les yeux, mais je me dis je vais avoir des paillettes dans le pif et dans les yeux, ça va être un C'est qui enfer. commence, Slowey exactement? Mais non, mais c'est pas Slowey qui doit être VIP, Manu. C'est Random Gamer. Random Comment ça se fait qu'on a Gamer. une famille? Manu, Slowey, C'est en il a pas fait serveur tourner Europe, la c'est roue. ça? Ah, ouais. J'ai pas fait tourner la roue, mais moi Ouais. j'ai pas besoin de faire tourner la roue pour être dans le Je head. vais dans Non mais parcourir. toi t'es dans le head parce que tu me T'en connais, tu bouges pas. sais que mec. Moi je suis dans le head, je suis Ah là là là. moi je suis Ah un d'accord. guest, je suis un special Attends. guest. Bien sûr. Attends, j'ai foiré mon Je truc. t'ai envoyé une invite, Choupette, c'est plus simple. Ouais, bientôt claquer un prout, bon je suis sur Oh, ton c'est live mec, trop je suis un bien. guest quoi. Voilà. Poupipou, pilouripou. Dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent venir? Si vous avez le jeu, Vous bien vous sûr. rendez compte que je suis pas douée et que je sais pas jouer à ce jeu? Oh, t'inquiète, hein, Atta est malade, moi je suis fatiguée. Eh bien! Et moi j'ai la tête dans le hub parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On est bien! On est bien! T'inquiète pas, à partir du moment où on met les collisions,
Pas besoin de skill. Attends, il y a les collisions Ah là? ouais, non, ça vous inquiétez pas que je vais bien m'amuser. Hein. Oh non, il y a les Mais. collisions. Bien Attends, il sûr est que vous allez voir malade, les il va collisions. être cancer! Déjà que c'était super drôle la dernière fois. Putain, j'avoue. On s'est tapé des grosses grosses barres quand même. Ouais. Là là. Ouais, Pareil. si. Oh si, c'était rigolo. Tu sais que KMM. le lendemain, j'ai vu Slowey au boulot, tu vois. Ouais. Et genre, Cavana l'a Slowey, pas le jeu. Ah, tant on pis. s'est regardé. On s'est Tant regardé pis. dès le début de la matinée et on s'est tapé une barre, on n'a même pas eu besoin de parler, c'était trop drôle. Mais tu m'étonnes. Genre, on s'est regardé avec Slowey et on a compris. Genre, on sait ce qui s'était passé la veille. Genre bon cœur. Bon bah tu peux lancer la partie, attends. Genre, c'est son bureau qui est parti. Eh bon, eh, j'espère qu'on m'a. Eh, les nouveaux, ils ont pas volé mes écrans, hein, attention. Mais non, ils ont leur propre écran. Oui, c'est vrai. Non mais écoute, ce sont des choses qui arrivent. Il y a pas de souci, lance la partie mon cher. Mon ange, t'as Bastien qui te dit bonsoir Kevin. Tu peux être Voilà, fier il y a de ton Bastien, de ta Bastien il te télécathodique. remet son bonsoir aussi. C'est pas ma télé cathodique, c'est le de JB la télé cathodique. C'est la vie les télé La cathodiques. cathodique Non avec mais j'ai un cette collègue, il a, péritelle. en deuxième télé, il a une télé cathodique, ça me fume de rire. Mais c'est chambé les télé cathodiques. Ah ouais, mais non, là t'es vraiment sur du 600, 600p ou je sais pas quel. Ouais, mais moi Ah, je tu trouve penses ça que c'est vachement plus du agréable 1600 par visuellement. 900? Mais c'est rétro, c'est tellement. Je sais même pas du 1000. Ah, Non, mais non, mais c'est pas du 1600 par 900, t'as même raison. sans être rétro, je trouve que visuellement c'est vachement plus confortable que des pixels. Ça peut être du 1400, C'était du plus. 1440 par C'était 1000, mieux. 1000. On est C'est pas du d'accord? 1390 plutôt, tu veux dire, Slowey? Ah, tu penses que c'est du 1366 par Ouais, c'est ça, 768? c'est ça. Je pense que c'est du 1366, ouais. C'est En quoi termes de ce qualité. parcours? C'est des parcours J'en sais rien, bizarres. c'est des parcours de workshop. Du workshop. Allez, là. Ah putain, t'as pas mis la Tout ça caméra pour libre. dire que son. Que Oh son. non, il n'y a pas les collisions. Bah si, Mais si, comment on si. Ah fait? si, si, je t'affirme qu'il y a les collisions. Il y a les collisions? Oui, tout ça Ah pour oui, dire pardon. que. Oui. Excuse-moi, alors, il y a parce que. Alors, tu restes appuyé sur clic gauche, tu zoomes là où tu veux, enfin tu tournes vers là où tu veux aller, et plus tu avances ta souris vers l'avant, plus ton tir sera fort. Ah. Attendez, est-ce que quelqu'un peut Oh! déban dans le chat les modos? Est-ce que vous pouvez déban C'est comme le. Comme merde. Le billard, tout pareil. Tout à Attends, fait. Atsuki, mais Atsuki, je vais te déban, j'avais Ah, pas oh vu. putain! Tiens, Atsuki. Stop! Merde. Stop! Elle est où la sortie? Tiens, Atsuki. C'est bon, Atsuki, y'a pas de soucis. Allez. Il faut jouer. Bon, déjà, ça commence très mal. Mais Oh non, bah putain, t'inquiète. mais je l'ai mis en un coup, dis Tu donc. te fous de ma gueule. Non, tu l'as mis en deux. Ouais, mais. T'inquiète. Ouais, je m'inquiète, ouais. Mais connasse! Ça va! Tout va bien. C'était peut-être un petit peu fort. Le jeu. C'est peut-être un petit peu fort. Tout à fait, mais léger. Et tu peux zoomer et dézoomer avec ta molette accessoirement. Voilà, ça peut être pratique. Le dips. Attends, mais Slowey, Accessoirement. tu l'as fait en un coup? Ouais, mais Mais je bien pensais sûr, m'occuper de ton cœur. parce que c'est un connard, tu le sais bien. Moi? Moi, je suis un connard? Moi? Non, toi t'as réussi, moi j'ai raté, je le sais. Eh ben, vous êtes débile parce que vous avez juste à Attends. regarder de l'autre côté et t'avais un ascenseur. RAF, ok? Mais je parlais de débile. Toi, Lauriane, je te connais pas donc je me permettrai pas de te dire ça pour de vrai. Tu peux. Oh, le RAF. Tu peux. RAF. Il est encore ban, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est ban? Ben non, mais il y a Atsuki qui se fait. Il se fait cyberbully par le Nightbot. Par le Twitch game. C'est chelou. Il est Vas-y, considéré débanne-le comme un bot par temporairement, le Nightbot? Nightbot. Terrible. Vas-y, j'ai banni Nightbot. Il m'a saoulé. On en est là. Ah ouais. Tu voulais Qu'est-ce que. lui montrer Oh! Y'a des Atsuki. bébés tortues! Oh non. Oui, elle écoute. Elle est vraiment. Des bébés tortues! Elle est trop contente. Bah oui, c'est des bébés tortues! Oh putain, bref. Oh, T'as rien Lauriane fait, qui va y faire en Atsuki. premier coup. Lauriane qui lui fait du premier Un coup. bogey. Un bogey. Trois coups. Il est Ouais, bébé tortue! t'aurais dû pousser à ta. Non. Il est bébé Non, mais tortue! vous avez pas honte d'abuser d'une personne malade? Jamais. Jamais. À partir du moment où t'es derrière un écran, t'es notre ego. Je. Notre égal, pardon. Non! J'avoue, ça se tient. Oh non. Ça va les chiffres? Oh putain, Non, les deux chiffres! je.
Yes. Elle est pas collègue pour rien. Hein. Allez, trois chiffres. Nyaam. Oh non, je suis une petite pute. D'accord. Ah mec. Ah pardon, excusez-moi. Les mots sont forts, effectivement. Non, mais... Personne pour m'aider. Je peux avoir ton VIP, frérot. Bon, bah parfait, bah, t'as juste à mettre Harry en VIP parce qu'il a tourné la roue des subs et il a gagné. Wow. Ah, attendez, j'ai juste baissé le son d'une personne, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui écoute la télé. Ouais, c'est le mec de Lorient. Ah, c'est mon très cher Tom qui est au téléphone. Ah, ça marche. Mais bonjour à la belle-mère. C'est la belle-mère. Alors, pas, non. J'ai tenté. Est-ce que c'est la connasse de belle-sœur? Oula. Non plus. Ah, raté. Non mais je commence à connaître toute la vie de Lauriane, hein, c'est terrifiant. Vraiment, je reçois des vocaux parfois, c'est compliqué. Hein. Apparemment ça tient à cœur la belle fille. Elle reçoit pendant que je suis au boulot. Me dis pas que tu m'as envoyé des vocaux alors que t'étais aux chiottes. Ça, c'est l'histoire de ma vie moi perso. Ah oui. J'sais plus. Ouais, pas au boulot par contre, au boulot je me dépêche, j'aime pas chier au boulot. Mais ça m'arrive, Slowy, si jamais tu te posais la question, ça m'arrive de chier au boulot. T'inquiète, moi aussi je suis un élite, c'est tous les jours. Ah, t'es un crack, putain. D'accord. J'ai pas la force en vrai. Oh non, je veux pas faire un all-in-one. Oh non, Lauriane a fait tout mieux que moi, alors que moi je suis juste à côté, regardez comment j'ai le seum. Bougez pas, j'arrive. Raté. Raté. Et donc Atsuki, tu voulais dire quoi tout à l'heure? T'as dit tu veux danser. Il veut me faire danser. Oh oui, danse. Dance. Je suis vraiment un craqué. Soka dance. Titi Soka dance. Raté. T'es passé par... Bah je suis pas tombé du bon côté par rapport à vous en fait. Je suis tombé dans un autre trou. Je peux pas remonter. Après je suis coincé dans un autre trou. Je l'ai dans le cul un peu. Oh le fameux trou. Oh oui, c'est bon. C'est dans le bon trou. Oula. Et bien, dans le troyu. Allez, j'ai dit boum. Moi j'ai fait un all-in, je suis fière de moi. Mais voilà. Toi t'es une vilaine madame, pas belle. Elle a vraiment fait un all-in. Mais bien sûr, elle a fait un all-in. J'ai pas vu. Parce que c'est une grosse craque. Regardez, j'en fais un aussi, c'est parti. Oh, le bonhomme est bugué. Oh, j'ai failli le faire. Ça va, toi? Attends, yeah. Non, je voulais. Ah, pardon. J'ai fait un birdie. Atta, tu fais un birdie. Oui. Allez, on va regarder. Allez, on regarde les... Oh, pardon. Ok. Pardon, il s'est passé quoi, là? J'ai pas compris, là. Bah, elle aurait pu faire un all-in-one, en fait. Et si all-in, c'est au poker, ouais. Et putain, mais pourquoi? Est-ce que vous croyez il y a moyen de faire une dinguerie? Ouais, il y a moyen de faire une énorme dinguerie. Mais je vous montre, c'est pas comme ça qu'on fait, regardez, c'est comme ça. Attends, moi je vis ma meilleure vie. Non mais du coup t'es sur le chemin, tu fais chier. Mais arrête. Mais pousse-toi. Vas-y. Je sais pas où il est le machin. Là, moi je le fais. Ah d'accord, ok. Raté. Non c'est pas là, regarde, c'est là, il est comme ça. Comment? Non, ça aurait tellement pu. Putain, je l'ai pas. Bah, elle va bien toujours. Hein. Coucou, Slovis, ça va? Ça va? Exactement les mêmes moves. Putain, j'ai topé. Ah, ah, moi j'ai réussi. Bon, il est censé être roux le machin en fait. Ah, il est là. Oh la vache, ouais, bah. Écoute. Ah, ça y est, la maladie l'emporte. Oh non. Voilà. Salut les copains. Oh bah c'est beaucoup trop fort ça. C'est bon. Ya. Ya. Oh la chance. Ya. Ya. T'évites juste d'en mettre partout, c'est tout ce qu'on demandera. Ouais s'il te plaît. Ouais, ou alors tu nettoies après parce que c'est cracra. Vous êtes dégueulasse. Mais on parle de ta morve. C'est ça. Bah oui. J'espère bien. Ah oh, pleine balle, j'en ai rien à foutre. Bouge pas, j'arrive. Comme ça. Et ça va, Iron Man? Oh, les vidéos, c'est incroyable. Mais ta mère. What the fuck did just happen? Oh. Attends, Slow, il bouge pas. Oh, oh je fais une nimp. Mais quel crackhead. Je suis super gentil ce soir. Attends, bouge pas. Ouais. Lauriane, bouge pas. Attaque cute.
Ça va, toi? Oh non, Lauriane, je suis désolée. Oh, y'a des petits cubes. Mais y'a des petits cubes de merde. Mais ils sont pipou, les petits cubes. Non. Merci, Lauriane. Oh, oh non, merci c'est... infiniment, Lauriane. Nyop. Oh, oh non. Oh, oh Lauriane, j'ai cru que tu tombais. Oh, j'ai cru à tomber. Vas-y, elle va tomber. Moi aussi. Terrible. Oh, le frisson. Ah, ah. Putain, mais je me frotte les bras sur ma veste. Maintenant, j'ai des paillettes. J'ai envie de crever. Plus jamais je te dis de mettre des paillettes dans ma vie. Hein. J'espère au moins que t'en as lancé sur Kevin. Non, mais ça peut se faire. Oh, putain. Il va te détester. Oh, j'ai tellement... Oh. Pensez qu'il y a moyen de faire un clutch genre... J'ai chef de... Oh, tu peux le faire en all-in-one. Quoi? Comment tu veux faire? Si tu vises bien... Hein? Oh putain, oui, attends, j'ai. Ok, j'ai. Genre. Oh putain, j'étais pas loin. Oh! La même chose, mais moins fort. Oh! Oh! T'es dedans? Oh, j'étais bon, je vous jure, j'étais bon. Mais en fait, j'ai mal visé. C'est bon, je suis dedans. Et moi aussi. Ça va, Slow? Hello? What's up? Oh le sel! Ouais, j'avoue, oh, le sel est immense. Je l'ai fait en deux. Je l'ai en fait trois. En 4 parce que j'ai fait un tir foireux. Mes frères. Ah bah il va bien aussi, je te remercie, il est à Grenoble, il fait de la musique. Si tu utilises le mot frère quand tu es vraiment dans un état émotionnel assez avancé. Écoute. Ça marche, je suis une éolienne. Non mais y a pas de soucis, hein, t'inquiète. Écoute, on a besoin d'électricité en ce moment, produit pour la France, y a pas de soucis. Je suis l'ouragan. Ah non, pitié, pas l'ouragan, j'ai déjà trop de flotte dans mon plafond. Un hélicoptère de combat. Un hélicoptère de combat. C'est terrible. C'est le vent le plus long de ma vie. C'est Atta qui va défendre la France avec ses hélices. Ah bah là, voilà. Je suis sur le vent le plus long de mon existence. Ah, c'est. Ah, je te jure. Oh mec, j'ai froid pour toi, je te jure, j'ai vraiment un frisson terrible. Très long. Ah, c'est. Bah regarde, on fait pareil mais de l'autre côté, genre. Non, mais faut faire ouais, faut faire comme ça. Ah comme moi, oui, faut faire comme ça mais moins fort. Ça va toi. Alors, Ellie, je t'ai suivi vraiment les deux pieds dans le plat. Oh bah t'inquiète, j'y vais. Oh, oh dur. Non, Ellie, c'est comme ça, regarde. Ah ouais, je attends, je regarde. Vas-y, je t'es où? Je regarde. Hein. Je te regarde. Tu regardes. Hein. Vas-y, je te regarde. Presque. Ah putain, t'es dans ma trajectoire. Attends, j'y vais avant toi. Eh, un peu plus fort, regarde, comme ça. Encule. Non, mais non, c'est un truc plus du style comme ça. Quoi? Oh non, non. Oh, vous m'avez tous cassé. Oh non, je vous déteste. Mais poussez où, merde. Mais quoi? On m'a poussé. Bon bah j'y vais à la loyale alors. Moi je suis à la loyale, tranquillement, je vous ai laissé votre petite bataille entre vous. Bah en vrai, on était grave bien. Je sais pas qui va pousser, mais thanks. Je me suis parmi du vent que j'ai pris. Ouais, bah je comprends. Hein. La tempête est terrible. Hein. Du vent de cul. Bah, si tu sais pas de qui, c'est que t'es au courant normalement. C'est compliqué un peu à ce niveau-là. Oh putain. Oh, c'est dommage. J'avais vraiment une réponse. Je devais répondre. Je crois que c'est un peu. T'arrives très tard dans la discussion. Je sais même plus quelle était la question de base. Oh, mais oh il est beau. Au bout de 10 essais. Bravo. Exceptionnel. Pas de soucis, Lauriane, pas de problème. Ah là là. On tâte le terrain. Bon, il faut qu'on apprenne à se connaître. Mais je sais même plus ce que c'était. Je sais même plus non plus. Mais je crois que je t'ai dit un truc, je t'ai posé une question, je sais plus quoi, et bah, j'ai jamais eu de réponse. Quoi. Oh. Oh, attendez. Attendez, comment? Est-ce que si on fait un move de crack comme ça? Non. Allez, pars. Non mais attendez, parce qu'il y a un truc chelou dans la flotte en fait. Les mecs, mettez-vous en vision de loin. Théma, il y a un portail dans la flotte. Il y a effectivement un portail dans la flotte. Mais tu peux pas y aller d'ici, c'est pas possible. Je peux pas y aller, juge-moi. J'irai. Mais t'as vu où t'es rendu? Tu veux pas savoir dans un premier temps où est le portail? Merde, j'ai raté. Mais il est juste à droite le portail. Mais je sais qu'il est juste à droite. Mais il faut que je fasse un rebond de bâtard pour y aller. Mais le portail en plus. Voilà, tu rebondis en face, tu vas à fond. Tu rebondiras pas là. Échec. Portail, t'amènes nulle part. Qu'est-ce que t'en sais?
ça me paraît compliqué. Ah si, ok. Si, bah j'ai capté. Quand tu rentres dedans, en fait, t'arrives juste au-dessus du... Juste au-dessus du trou. Y'a un truc au-dessus du trou, là. Oui. Mets-toi en vue caméra et puis rentre dans le portail, tu verras. Bah écoute, j'ai plus de temps de caméra libre, donc... C'est un autre trou, non? Ah oui, d'accord. Ouais, je crois que c'est un autre trou. Bon, j'arrive. Pourquoi raciste? Pourquoi raciste? Je sais pas, j'ai envie de dire qu'il est raciste. D'accord. J'ai répondu à la place de L'Oréal. Est-ce que tu veux dire qu'il est homophobe aussi? Non, parce qu'il parle pas... En fait, il est... Parce que son anglais est pas... C'est un clavier anglais, donc c'est casse-couille. Ah oui, c'est du QWERTY. Il est raciste, c'est la norme. Mais bon. Attendez, je remonte. Vraiment le cas le plus improbable. Ouais, mais c'est mon histoire, ça. Ellie, c'était Brice de Nice dans ce... Comment ça, Brice de Nice? Tu surfais sur la vague. Ah bah, bien sûr. Moi, si je peux surfer, je surfe. Je suis avant-dernier. En fait, je suis meilleur quand je fais pas de vanne. Comme... Ouais, c'est ça, quand je suis mal. Attention! Et Pierre, on sort de la map! Pardon. C'est vraiment mon jeu préféré. Oh. What? J'ai pas capté ce qui s'est passé. Bah, te pose pas la question et dis merci le jeu. Merci. Voilà. Merde, non. C'est du 3 coups pour moi. Ah, mais... La vie. C'était vraiment sympa. Mais connard de jeu de merde. Tant de violence dans une si jolie bouche. Oula, j'ai pas envie de savoir. Bah, c'est qu'elle est jolie, la dame. Oh bah, Merci, Lauriane. De rien, avec plaisir. Non, mais je prends. Je... Faut que je fasse une vanne, mais c'est vraiment pas gentil. Vas-y, fais ta vanne, écoute. Oh. Le monde à Lauriane. Voilà, merci. Ouais, ouais. Non, franchement, pas mal. En vrai, pas mal. Je suis désolé, t'as dû l'entendre dans ma calculette deux fois et je... Pas du tout. Je m'en excuse. En vrai, elle est bien. Oh, je suis vraiment un sacré connard. Oui, mais on le dira jamais assez. T'es un connard, t'inquiète pas. Oh. T'es un connard, je te l'aurais déjà dit. Putain, bâtarde. 30 minutes qu'on se connaît, c'était un connard, je l'ai dit. Ah oui, t'inquiète, elle est cash, la dame. Ah, bah c'est ce qui me plaît, moi j'aime bien. Non, attends, il se rejoint. Fraude, attends. T'es une fraude, t'as tapé la barre du. T'es une fraude. T'as tapé le poteau du machin. Non, j'ai pas fraudé, c'est pas faux, c'est faux. C'est faux. J'ai envie de crever. C'est ta parole contre la mienne. Oui, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens aiment la difficulté. Alors que, s'ils regardaient juste à droite, c'est un super chemin qui. On en parle, j'ai envie de mourir, les garçons. Putain, j'ai envie de clamser. Oh, ça va, t'es pas au pixel comme la dernière fois, à chaque fois, il était comme ça. T'es à deux dalles du trou. Bah, ouais, mais techniquement, je suis à. Non, une demi-dalle du creux. C'est faux. Non, je te jure, je suis à une demi-dalle du creux. Moi je vois 5 cm. Tu vois, ouais, et il y avait une demi-dalle du creux. Et c'est vachement long 5 cm. Ouais. C'est vachement long aussi. Alors moi je vous le dis, je trouve ça vachement long. J'ai pas une règle qui traîne là. Parce que j'ai pas conscience. Attends, j'ai. Non, merde, mon maître il est dehors. 5 cm c'est vraiment du plaisir. C'est quoi, c'est ça 5 cm à peu près? C'est. 5 cm c'est. Ma mère, je peux pas te montrer. 5 cm c'est Kevin, viens là. Alors non, je n'exploiterai pas mon mec. Oh genre, moi je l'aurais exploité tout de suite, je me serais même pas posé la question. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bah attends, quitte à avoir un mec, autant l'exploiter. Tant qu'à faire. À t'écouter, on est des sujets de labo. Bah un peu. On est des souris de laboratoire. En vrai, vous êtes passionnants les mecs. Donc bon. Ah ouais. Ouais. Merci. Bon, j'aime trop. Voilà, je suis passionné par le cerveau des mecs. On s'impressionne nous-mêmes. Bah, il y a des fois, je me pose des questions quand même, ah mais bon. Ah ouais. rien nous éclate, c'est génial. C'est vrai. Par exemple, moi, je vais sur un. Tu sais, quand il fait froid et qu'il y a de la neige. Ouais, quand il fait froid et qu'il y a de la neige. Quand il fait froid et qu'il y a de la neige, je vais en sous-vêtements dehors, ça va?
Ça, je comprends. Ouais, non mais vous avez des problèmes. Lauriane est encore plus passionnante qu'un mec. Non, mais Lauriane, j'ai appris à ne pas poser la question, tu vois. Juste, je prends les informations qu'elle me donne et je rigole. C'est tout. J'ai appris à ne plus poser la question. Il n'y a pas de film. Bam, je suis dedans. Excusez-moi, pardon. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de filtre, elle pourrait aller parler d'un sujet sérieux, tu serais en train de déconner. Oui. Ah, tout à fait. Oui, oh putain, oh tu n'imagines pas les conversations d'après live avec Lauriane. Moi qui veux aller me coucher à 23h, 1h du mat, on y est encore, hein, c'est compliqué. Ça, c'est tellement de trucs que je pourrais pas faire ça. Ah bah si. Mais si tu me diras, ça nous est déjà arrivé pour le coup. Bah ouais. Mais comment te dire, hein. Ah mais ouais. Oh t'imagines pas, t'es dans la merde. Oh la sauce. Sperme. Si tu m'aimes bien. Oui. Oh j'ai réussi. Oui. J'ai bien envie de tenter un truc genre ça. Oh non. Ouais moi aussi hein, franchement j'ai envie de tenter bah, ça. Bah écoute. Ça a l'air vraiment pas dégueu. Et voilà. Next game. Allez. Non franchement c'était pas mal comme idée. Par contre là t'aurais dû aller un peu plus vite. Non parce que regarde j'ai capturé mon truc. Ouais t'as vu. Mais juste moi, ça regarder fait les mails de là. Karine Guy pour voir qu'un rien ne. Essaye de faire assez fort. De quoi? C'est vrai, les mails de Karine Guy sont authentiques. Manu, t'as changé la vidéo YouTube ou pas? Et d'ailleurs Ellie, envoie-moi un message la prochaine fois au lieu de mettre un commentaire. Pourquoi j'avais pas le droit? Mais si, si, envoie-moi un message Discord, comme ça je vois que c'est vraiment urgent, tu vois, je regarde pas tout le temps les commentaires. Quoi, ah mais c'était pas urgent. T'inquiète hein. Eh ouais. Ouais mais on a quand même vu un trou de balle dans une vidéo YouTube quoi. Oh. Oh ça va, c'est pas comme si t'étais monétisé. Ouais mais c'est un anu. C'est pas faux. Ouais j'avoue que j'y ai même pas pensé, je t'avouerais. Ellie c'est un anu. Ouais mais j'y ai pas pensé, moi ça m'a fait rire, je l'ai vu et puis ça m'a fait rire tu vois. Ça va, genre, en je vrai. Je mets ma souris dessus et il y a la grosse. En vrai, c'était pas le pire des anus qu'on pouvait voir, ça va. Oui, ça va, mais bon, quand même. Franchement, il aurait pu y avoir des poils et tout, là, ouais, il était voilà, propre. Là, il était vraiment propre et tout. Oui, c'était pas un trou du cul sans poils, bien sûr. Vraiment, épilé et tout. Propre, propre. Ouais, franchement, il était propre. On est vraiment en train de parler d'un lieu. Ouais, tout à fait. Ouais. En vrai, la photo n'est pas choquante, tu comprends à peine ce que c'est, mais quand même. Oui, effectivement, oui, moi oui, aussi, c'est vrai. Mais il aurait fallu. Vidéo, parce que Manu, elle a presque fini de monter le best-of du live 24h. Putain, trop fort, madame. Du coup, je suis en train de regarder. Je regardais ça, puis je me baladais un peu sur les vidéos qui ont été faites et tout. Et j'ai regardé celle de Wikipédia parce que je suis elle était marrante. Ah, ouais, franchement, trop drôle. J'ai regardé, j'ai fait, ah bah oui, mais on voit un anus là. c'est un anu. Mais vraiment 45. Vraiment, bah, je me suis pas posé la question, j'ai fait, ah c'est drôle. À aucun moment je me suis dit, mais c'est pas très YouTube friendly ça. Ah mais non, c'est vraiment pas YouTube friendly pour le coup ça. Pensez qu'un jour j'y arrive. Non. On va pas assez de coups. Bah je suis à 9 là. Ellie, tu vises un peu plus à gauche. Non, c'est plus à gauche. Non mais je. Oui. Plus à gauche et tu fais 3. 1, 2, 3, 2. Plus à gauche. Ch'tonk. Voilà, ah bah. Allez, le virgule 2 de trop. Ah, j'avoue. Ah non, temps écoulé. Oh non. Voilà. Ouais, bah allez, qu'on est plus à ça près, je veux dire, je suis à 95, Lauriane elle est à 106 alors qu'elle a fait des all-in-one. Vraiment, je veux pas comprendre ce qui se passe. Ne pas consommer d'alcool, voilà. Tout à fait, surtout quand vous êtes malade. Attendez, vous pensez que si je fais ça, cette fois, ça marche? Oh. Sur un malentendu, ça marche. Ellie a fait des expériences sociales. Bah si seulement c'est texte social. Vas-y, Slow. Pas encore. Ah, mais plus tard. Oh non. Oh bah t'as ouais. Passé. Ah, ça y est. Non mais le truc qui tourne là, tu commences à me brouter là. À me brouter? Non mais... Tu es de l'herbe? Nous sommes dans un champ. Tant que c'est que de l'herbe. Allez. Oh là là. Hein? Elle est présente là. Pardon? Je sais même pas ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit heureusement que c'est de l'herbe. Non.
Si c'est que de l'herbe. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris ce que je viens de dire. Ça y est, elle est lancée là. Oh, bah, je suis en fire. Des pâquerettes aussi, c'est ça que tu veux? Oui, c'est... Bah oui, les pâquerettes, les pissenlits. Tu sais que les pissenlits, c'est super bon pour la santé? Oui, très bon même. Ah non, bah d'accord, ok, le jeu, merci, va c'est, faire c'est enculer. Site de l'âge de glace qui te l'a dit. Non, mais non, pas ce genre de pissenlit, pas les fruits du pissenlit, les fleurs. C'est le truc jaune là. Mais Lauriane, mais comment tu peux te demander à mettre ça? Et évidemment, Bastien, mais ça faut pas le dire, il y a des gens, ils sont choqués après. Passe à côté, tu veux que je fasse quoi moi? Bah tu lui dis bonjour en passant à côté. Comme toute personne respectable. Vous pensez que ça passe? J'ai une strat. Ça passe pas. Je viens de voir un truc. Comment ça? J'ai vu le truc. Vous avez vu le truc? Oh le bâtard! Oh j'ai réussi. Oh c'est un all-in-one de mon côté. T'es sérieux? Putain, et puis du coup il va reprendre le lead. Oh non. Oh non, c'était triste. Oh non, c'est... Oh. Oh, les... Ok, donc moins fort. Oh non. Oh, c'est sad. Oh, t'es ouf. Yeah. Oh non, Lauriane. Oh non, Ellie. Oh, c'est le cirque Zavata en face de rien, Zarfex, de rien, t'inquiète pas. Oh mon salaud. Le zoo de Beauval. Le zoo de Beauval. Ouch. Ah ouais. Vas-y, dis, on est Ellie. Des hyènes, y'a pas de soucis. Hein. Ellie, elle est déterminée de ouf, ça me fait. Oh putain, je me fais baiser d'un coup. Ya. Raté. Bon bah tant pis, c'est un échec. Il prend le lead d'un coup. C'est gagné du coup, de mon côté. Ah, ceci dit, non, je crois qu'on fait ex aequo. Ouais. Excusez-moi. Mario. Ah c'est. Mais voilà mais. Eh vous êtes beaux. Franchement les mecs vous êtes beaux. En plus on finit sur la Vendée. C'est pas magnifique ça? Ouais. 85 c'est la Vendée? Ouais. Bien sûr. T'es fou toi. Ah, bah, qui veut? Eh oh tu respectes un peu. Moi c'est 3-8 RPZ, hein, attention. Bon moi les amis, je vous laisse là je pense. Hein. Oh attends, il nous a vendu. Oh, moi je suis trop là, Oh c'est bitrice. Non mais c'est pas ça, c'est juste que... Oh. Le fait de parler, ça me donne mal de gorge en fait. Eh bah prends du miel, merde. Dis que tu nous aimes pas. Moi ouais, j'avoue. Je vous adore. En fait, il me déteste. Je vous aime pas, je vous adore. Oh putain. On va pleurer. Je peux même pas faire semblant de pleurer parce que je peux pas toucher mes yeux vu que j'ai des paillettes sur les mains. J'ai envie de clamser. Est-ce que t'as juste conscience que tu mets des paillettes et sur ta souris et sur ton clavier? Ouais, non mais t'inquiète. Hein, mais tu sais qu'en vrai, j'ai pas une paillette sur mon clavier. J'ai pas une paillette sur ma souris, mais par contre, mon jean, il brille, hein. C'est un putain. Oh, putain, mais je viens de conscientiser mais qu'en fait... Je m'attendais pas que tu la prennes comme ça, moi. Je m'attendais que tu prennes la carte, que tu l'ouvres et que tu vois toutes les paillettes et t'allais dire « connaissez un ou un truc dans le genre » et t'as tellement doucement. Mais meuf, dès que je tirais, il y avait un kilo de paillettes qui sortait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais pas la sortir d'un coup et faire ce push. Tu sais quand même que j'ai mis que la moitié de la boîte. J'ai envie de crever. Bah mets l'autre moitié sur ton mec. Ah putain. Non mais vraiment. Par contre, je viens de conscientiser que j'avais gardé mon jean de travail, mon jean de bricolage. Et bah j'ai bien fait en fait. Moi j'ai pas changé de caleçon depuis 7 jours. Oh ça me choque pas. Waouh. Vraiment, ça me choque pas une seule seconde. Mais c'est fou les gars, ça va ou quoi? Bah, en plus quand t'es malade, je vous jure, j'ai changé deux fois de vêtements aujourd'hui, genre. Il a changé le sens de son caleçon. Il l'a inversé, tu sais, il retourne. Je l'ai retourné. Je l'ai dit. Ah mais c'est ce qu'il faut les gars, en plus caleçon parachute, vous connaissez. Comment ça caleçon parachute? Attends, caleçon parachute? Ah moi je suis team caleçon, je suis pas team caleçon parachute, ouais, moi je suis pas team boxer, le truc qui te moule le zboob là. Qu'est-ce que t'appelles caleçon parachute? Parce que j'ai besoin de savoir. Tu vois le caleçon quadrillé? Non
Non. Tu vois les caleçons qui sont assez larges au niveau du bas, qui sont pas super esthétiques pour les ça, hommes. Ça fait moitié short. C'est hyper. Alors là, par contre. Non, les trucs. Attends. Esthétique, c'est beaucoup trop beau. Ah non, c'est moche. Attends. Ah, ouais. Les caleçons qui font genre short de bain. Oui. Ouais, mais en plus court, c'est ça, ouais. Attends, il y a une version plus courte de ça. Oui, non, mais attends. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, Ellie, un caleçon. Ce que portent tous les mecs actuellement, genre les trucs, les moules bites là. Non, je suis pas d'accord. Des boxers, ça. Je porte un slibard, un truc bien. Ouais, un truc bien viril. Ah, oh, mais c'est. Fermola, tu portes un slibard, t'as une yux qui dépasse, ça va aussi. C'est bon, tu portais ça quand t'avais 16 ans ou quand t'as 80 ans. Ah, mais du coup, ça c'est un caleçon et pas un boxer. Putain, mais attends, mais ouais. J'en apprends tous les jours. Les boxers ? Ah non, les boxers, c'est les trucs vachement plus courts, oui. Non, ok, c'est bon, j'ai. Les boxers. Mais c'est rigolo, les machins moule bites quand même. Non. Oh, je suis chiant. Ouais, bûchon. Oui, non, oui mais c'est fait, ça. Vous en tant que fille, vous en tant que fille, vous pouvez dire que c'était stylé, mais sachez que mais vous les hommes, été... vous les hommes, c'est pareil. Non, mais... Vous si on met des soutifs, un peu transparents ou légèrement voyants au niveau de nos nichons, vous êtes heureux. On est d'accord. Nous, ça nous casse les couilles. Non mais en fait, si tu veux, c'est même pas ça. C'est juste le fait que, en termes de confort, le fait d'avoir un caleçon qui te moule. Enfin un boxer en fait, le truc c'est que ça bouge pas. Imagine t'es pas, c'est bien. Voilà, imagine t'es en été, ok. Il oui. fait genre 32 degrés. Oui. Tu crois que c'est comment là dedans? Et tu crois que c'est comment dans nos soutifs? Mais non, mais on est sur une pool party, on est sur leur Malibu qui va faire son 50 mètres. Ah mais t'inquiète hein, les soutifs c'est pareil hein. C'est ça goûte dessous hein. Tu les sors oui, vraiment, tu peux nourrir, enfin tu peux faire boire tout l'Afrique. Il faut favoriser le confort. Bah ouais, mais faites comme moi, portez pas de soutif et on est bien, tu vois. L'avantage que t'as en ayant un caleçon, donc un caleçon parachute, c'est que tu peux te gratter une yux sans ouais, mais alors, utiliser attends. Ta deuxième main. Alors attends, parce que du coup j'ai une question. C'est-à-dire que si tu cours, du coup y'a rien qui te maintient. Bah ça fait un effet cloche. C'est ouais. Génial, c'est génial. Mais du coup ça fait ploc-ploc. Ouais mais ça aère en fait. Je suis en train de réaliser des trucs terribles. Le pas de côté, bien sûr, le pas de côté. Et en fait, le coup, t'as un risque de t'en froisser une en plus avec ces conneries. Attends, tu peux vraiment. Ah oui, c'est vrai que tu peux te froisser une couille, mais j'avais oublié ce détail. Ouais, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais alors, pourquoi vous portez ça? Mais parce que c'est je suis trop bien, moi. Je trouve que c'est aéré, tu vois. Moi, je porte pas ça. Hein. Moi, je porte ça. Non, mais toi, t'es un mec normal. C'est normal, Chloé. T'inquiète pas. De quoi, vous êtes juste des personnes qui sont bah, en plus, alors attends. En plus le pire c'est que chez l'homme, on a une anatomie qui est assez bizarre, on a une qui est plus grosse que l'autre. Ouais, on a pareil avec nos seins, et t'inquiète moi, j'en ai 7, hein. Alors c'est chiant. Avec... J'en ai 7. C'est tu sais quand t'as l'impression que t'as un nichon qui est plus gros que l'autre et t'as l'impression qu'il tombe plus que l'autre. Oui, mais putain, mais oui, mais c'est horrible. Tu te regardes dans le miroir, t'as l'impression que c'est toi qui est pas droit, mais en fait c'est juste tes boobs. Déjà, ça c'est pas normal. Moi jamais je vais regarder mes yeux dans le miroir, tu vois. Jamais, t'as envie d'aller en rayon. Mais non, je vais les comparer, je vais prendre. Non, mais mec, mais nous c'est à hauteur de vue, tu vois. À un moment. Nous on peut rien faire. Voilà, je veux dire, tes couilles, je peux comprendre parce que tu sais, faut baisser la tête pour les regarder. Mais nous, littéralement, nos seins ils sont à hauteur de vue dans un miroir. Donc bon. De vue, Ah bah si, à peu près. Je veux dire, tu baisses les yeux, tu les vois. T'as pas obligé de baisser la tête, tu vois. Oui, d'accord, ok. Voilà. Là, d'accord. Mais... Je crois que les mamies, c'est comment? Pourquoi elles sont courbées? C'est les mamies de les regarder. Mais non, mais oui, les mamies, c'est juste que ça touche par terre, c'est tout. Ça me fume. Oh, merde. Je vais juste vous rassurer un truc. Des Swiffers taille réelle. Votre tub, elle est... Tout petite, ça devient une Naki Ball. Elle n'existe plus. Ah ouais? Ouais, ma non, attendez, je découvre des trucs. EHPAD, elle m'a dit, ouais, c'est une dinguerie, genre. Mais comment? On s'attend à des dingueries. Attends, mais t'es mort biologiquement, comment? En fait, ça rentre à l'intérieur avec la peau qui se. Attends. Parce que ta peau est vite. Attends. Attends. Merde, je suis en QWERTY. On parle juste des couilles de vieux. Pourquoi la bite disparaît en vieillissant? Oui, je suis en train de chercher ça. Rassure-moi, t'as mis ton navigateur en secret? Pas du tout. En secret? Tu veux qu'il mette en secret?
Je comprends pas. Ça s'appelle de l'atrophie pénienne. Oui, et c'est tellement vrai. Et c'est vrai parce que j'ai travaillé avec les personnes âgées. Hein, et un jour, un petit vieux m'a dit gentiment: oh, Lauriane, tu veux pas me mettre de la crème, enfin de la crème d'un spray au niveau de mon entrejambe? Je fais: non! Allez, s'il te plaît, l'infirmière l'a pas fait. Bon, d'accord, une fois. Et puis, bah, j'ai vu qu'en fait, sa bite, c'était une knacky ball. Et voilà. Mais c'est terrifiant! C'est super. Bonhomme. Mais... Alors, question con. Alors, attendez, j'ai une question con. Mais du coup, oui. Si t'es un petit vieux et que t'as une érection, est-ce que ta bite a toujours la même taille ou est-ce qu'elle est plus petite? Alors, elle est plus petite. Quand t'es vieux, tu peux en avoir, mais c'est compliqué. Oui, mais enfin, il n'empêche que tu peux quand même en avoir. Non, ah bah, tu les choisis pas les moments où t'en as. Hein. Ça dépend, hein. Ah bah. Enfin, en tout cas, moi, ma soeur qui a travaillé en EHPAD m'a dit que c'est. Bah, ça dépend. Il y a des petits vieux qui ça bande, mais wouhou! C'est la fiesta, hein! Oui, bah après, t'en as qui sont physiquement plus que d'autres, c'est sûr. Ah, le wouhou! Ah, Lauriane, elle est contente! Ah, mais cherche pas, Lauriane, vraiment, tu peux pas l'arrêter. Quand elle commence, c'est terminé. 17 cm de pur bonheur, quoi. Kamen! Après, si le petit vieux il s'appelle Rocco Cipedi. Ouais, voilà, c'est ça. Si c'est Rocco le vieux, bon. Anecdote. Oula. Je travaillais chez un monsieur qui est un grand pianiste. Il revenait d'une soirée. Il jouait du piano très debout. Arrosé. Aussi, oui. C'est peut-être un détail pour vous. Il revenait d'une soirée très arrosée. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre d'être là avec nous. On l'a coupé, c'est terrible. Ouais, bah je m'en branle. Bisous. Moi, je m'excuse. Et donc, hop, le truc est parti. Attends-moi. Oh. T'inquiète, mais on va aller sur MK Choupette. Bref. Ok, je m'en fous. Merci. Ouais, on peut aller sur MK. non, et donc, il descend comme ça. Moi, je fais pas gaffe, je fais mon petit ménage, parce que j'étais ménagère à ce moment-là. Et je me retourne à poil. À poil, en haut, bien gaulé. Voilà. Je me retourne, le client, il me dit ah, mais. Tout va bien? Ça va? Pourquoi tu te retournes? Bah, monsieur, vous êtes légèrement à poil. Ah! Mais c'est pas grave, hein. Oh là. Voilà. Mais juste, il voulait profiter de toi, quoi. Non, mais je lui ai renvoyé, je lui ai dit, vous partez, il faut que vous allez vous changer. Vous êtes... Je sais pas. Soit il était vieux et zinzin, soit il était vieux et pervers. Non, soit il était vieux et la gueule de bois, c'est tout. Soit il était vieux et bat les couilles. Non, c'était vieux et gueule de bois, c'est tout. Ouais, mais enfin, gueule de bois... On va pas la... Est-ce que tu te balades vraiment à poil quand t'as la gueule de bois? Oui. Ah, je sais pas, j'ai jamais eu la gueule de bois, donc... Disons que moi, je me souviens d'une gueule de bois où j'ai... Je ne raconterai pas ça sur ton live. Voilà. Tu me raconteras ça après en privé, hein, y'a pas de soucis. Je veux pas que les gens se souviennent d'une bibiche complètement, voilà. Ah là là. Bon, bah, tu sais, on en a vu pas mal sur ces lives, t'inquiète pas là-dessus. Là. Est-ce que quand tu te balades à poil, tu as la gaule de bois? Oh là là, Bastien. Oh, super. C'était beau, Bastien. Bah, c'est sur cette magnifique phrase que moi, je vais saisir la perche et vous laisser. Tant que c'est qu'une perche. Tant que c'est qu'une perche, hein. Laissons les perches tranquilles. On peut négocier, hein. Alors, let's free the perche. Let's free the perche, s'il vous plaît. Laissez les perches tranquilles. Oh merde. Des bisous, attends. Bon, écoutez, bon MK à vous, hein, les amis. Soigne-toi bien, bon courage pour la semaine pro, et tu reviens en forme. Hein. Slowy. Ah oui, Slowy, bisous à toi aussi, j'avais pas vu que tu voulais Ah oui, bisous, Slow. Bisous, Slow. Slowy. Il te fait la gueule. Il te fait la gueule. Il te fait la gueule. Non, il est là, ta gueule, Lauriane. Une bonne soirée, les amis. Des bisous, Ata. Pas la semaine prochaine, pas cette semaine, mais sûrement à celle d'après. Ouais, y'a pas de soucis. Prends du temps pour toi, Coco. Bisous à tout le monde. Bisous. Bon, bye. Non, tu meurs pas. En fait, non, c'est pas négociable. T'as pas intérêt à mourir. Ah bah non, faut qu'on fasse un MK dans 2 semaines, donc non.
Voilà, et je veux apprendre à te mieux te connaître, tu vois. Mieux. Avec plaisir. Bah, je suis pas la même avec personne. Très... Heureusement que je suis pas ni en stream ni rien du tout. Vous auriez vu mon sourire. Putain. Non mais tu vas voir Lauriane quand il sera en forme, ça va être une dinguerie. Oh, je vais kiffer. Ça va être un merdier. Le chat, préparez-vous. Hein. Dans deux semaines, c'est terminé. Hein. Il y a énormément de dynamisme. Je suis quelqu'un de très calme. Mais oui. Mais c'est vrai. Alors, est-ce que tu es très calme quand tu es avec moi, toi? Oui. C'est vrai, je pense. Dungeon Minecraft. C'est quoi Dungeon Minecraft? C'est Minecraft, mais en donjon. Est-ce que tu connais la licence Diablo? Oui. Allez, bisous les copains. Voilà. Bisous à ta, bisous, bisous. Bisous, 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 ciao, ciao, ciao. Bisous, ciao, 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 bisous, ciao. Ciao, 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 bisous, ciao. Attends, je vais aller check. Ciao, ciao. Bisous. Il a fui. Il a fui. Il était fatigué. Fatigué. Avec nous? À cause à son Kevin. Nous, on va jouer à MK. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Si tu as le jeu. Je n'ai pas la Switch, elle est chez ma copine. Il a pas la Switch. T'es nul. J'ai un ordinateur, ça suffit largement. C'est vrai. T'es nul. Mais la Switch. Puis MK là. Par contre, s'il y a du Smash Bros qui se fait. Ah putain, tu sais que je l'ai acheté Smash Bros il y a pas longtemps. C'est il faut pas que je Minecraft m'y mette. Dungeon plutôt que Minecraft. Dungeon Minecraft. Non, c'est Minecraft Dungeon. Minecraft Dungeon, ouais. Ouais, parce que. Et non, mais il l'a écrit Zarfrex, il l'a écrit dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, Smash c'était trop bien. Bah, moi je suis une grosse merde. Le dernier Smash que j'ai pensé c'était Brawl alors. Ah oui. Donc, comment te dire, ça remonte. Puis moi je jouais sur la Wiimote, tu vois. Je jouais pas sur manette. Ellie, t'as quoi, t'as une carte graphique? C'est une très bonne question. Comment on voit ça déjà? Gestionnaire de périphériques. Ah ouais, mais je sais plus comment on y arrive à ce gestionnaire de périphériques. Tu fais Windows et tu tapes gestionnaire de périphériques. Ah bah superbe. Windows. Et recherche. Je voudrais recherche. Gestionnaire de périphériques. Exceptionnel. Clonk. Carte graphique. C'est une Nvidia GeForce RTX 2060. Oh, oh que la mienne. Copine. Hey, copine. Sachant que j'aurais pu avoir une 3060, mais c'était soit je prenais la 2060 et j'avais mon PC à l'instant T, soit j'attendais 2 semaines. Et on était en plein confinement. J'ai failli avoir une 3060 Ti. Bâtard. J'ai failli me prendre ça, mais du coup je suis parti sur une 2060. Ouais. Voilà. Au Kier ! Au copain Kier ! Au Kier ! Comment il va le plus beau ? Le gueux, ça va ? Ah là là, comment il va le gueux ? Comment il va le plus beau là? T'as la PS1? Non mais j'ai la PS2. J'arrive. J'ai la PS1. J'ai la PS1. Moi j'ai la PS2 et tu veux savoir le truc le plus triste? C'est qui le gueux qui vient de nous rejoindre? Qui ça, Kerr? Kerr c'est une personne exceptionnelle. Mais non, là, dans le Minecraft. Dans le lobby? Aucune idée. Dans le je ne sais pas. Oui, donc on avait la PS2 quand on était petit et mon grand frère l'a revendue. C'est moi le plus beau. Alors qu'il y jouait quasiment pas et que moi j'y jouais. Et il l'a revendu sous mon nez. Non, parce qu'il voulait se faire du fric. Ah, du coup, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Et je suis extrêmement contente. Ça a pas tu mis. Tu joues à quoi sur PS2? Jack and Dexter et Ratchet & Clank, entre autres. Oui. Oh, j'ai joué à la Effectivement. Voilà, grosse overdose, voilà. Même pas de Kingdom Hearts. Bah, j'ai jamais eu l'occasion de tester la licence, mais. Ou un FF peut-être. Bah, pareil, j'ai jamais eu l'occasion de tester la licence, mais je me fais engueuler par mes cousins pour ça, donc t'inquiète. Hein. Ah, pourtant. Final, oui. Non. Final Fantasy, trop bien. C'est une bonne licence. Hop. Voilà. Donne-moi une petite seconde, je prends le jeu de ma capture et le gâteau. Chouk. Oh là là, la petite promo. Pas sponsor du tout. Pas sponsor. Elgato, sponsorisez-moi s'il vous plaît, je suis pauvre.
Donnez-moi de l'argent et le gâteau. S'il vous plaît. Je veux de l'argent et le gâteau. Pipapoup. Pipapoup. Alors attends. Il faut que je prenne le chat en pop-out. Too much zombie. Oula. Je twink. Oui. Ba-ba-da-da. Hop. Attends, faut que je fasse un truc. Voilà. Voilà, voilà. Z'arrive. The en ligne. Z'arrive. The cours de vol. Putain, je suis en train de mettre des paillettes sur ma Switch. Vraiment, je te déteste un peu, hein. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Putain. Ok. Mais je t'aime, chérie, je t'aime. Non, moi je t'aime pas. Tu pues des fesses. Ah, pardon, monsieur Ficus. Je me suis étiré, j'ai shooté le Ficus. Pardon. Excuse-moi, monsieur Ficus. T'es beau, tu sais. Moi, j'ai une Wii, y'a moyen que je joue à MK aussi, mais t'inquiète, Kerr. Lance ta Wii, y'a pas de sous. Allez, viens. Mais en plus, c'est trop bien, parce qu'il y a des gens qui ont modé Mario Kart sur Wii. Ah ouais? Et du coup, il y a la communauté qui crée des maps et tout. Oh, mais c'est chambé! Ça va être foncé. Bah, ça fait un peu comme Mario Kart 7. Mais c'est incroyable! Incroyable! Est-ce qu'il y a des gens qui ont le jeu et qui veulent nous rejoindre? Dites-nous. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont payé. Genre les DLC, le DLC? Non. Non. C'est une belle fraude le DLC, je trouve. Ah bah. Il est inclus dans mon abonnement. Donc. La meuf, elle le vit bien, tu vois. Moi, je squatte sur sa partie et elle le vit bien. Ah, écoute, elle a pas l'air mécontente. Ah bah non, très clairement, hein, je. Là, elle kiffe sa vie là. Non, mais en fait, je crois qu'elle est extrêmement heureuse. Je suis en train de me faire une petite place sur son canapé. Vraiment, elle ne me laissera plus jamais partir. C'est terrible, hein. Ça va devenir, ça va devenir sais, ton non, mais tu sais, c'est tu ça, sais hein. Mon canapé, il t'attend. Hein. T'habites où, déjà? Pas si loin que ça, finalement. Un petit peu trop, quand même, mais... Tu sais bien où j'habite, chérie. Bah oui, je sais, j'ai ton adresse, mais... Bah oui. Bien évidemment. Bon, mais tu lances la fait, partie, là fait, je m'attends au pire. Novembre, ok, ça va. Je vais rechercher un abonnement. De quoi tu t'attends, Pierre? Mais que tu m'envoies des trucs chelous, toi. Non, t'inquiète. En vrai, je suis trop pauvre. Sinon, crois-moi, t'aurais reçu des trucs improbables déjà. Même pas peur. Bah, t'aurais reçu genre un costume de T-Rex gonflable ou une connerie du genre, tu vois. Chier. Mais j'ai pas l'argent! J'ai pas l'argent! J'aurais l'argent, bien sûr, j'aurais été chiche! Et même que j'aurais commandé le même pour moi! Le paye pas assez. Non, clairement pas. Le Twitch Game paye rien du tout, gros. Hein. Le Twitch Game, c'est la décadence. Le jour où le Twitch Game payera bien quelque chose, on en discute. Ouais. Allez, écoute, il revalorise les salaires, ouais, apparemment. Non, il revalorise rien du tout. Ils te disent, ouais, tu vas mettre 2 minutes de pub toutes les heures, ouais. Bah non, en fait. Ouais. Non. Pas déconner. Je veux dire, à un centime la pub, c'est non merci, quoi. Enfin, faut pas déconner. Merde. Et quand ils disent qu'ils revalorisent les salaires, c'est juste que au lieu de toucher notre salaire à 100 balles, on le touche à 50. Le pire, c'est, enfin, d'un côté, je comprends ce que les gros streamers qui râlent un peu parce que, c'est vrai qu'ils ont les partenaires, nous on est que affiliés, on devrait être, c'est normal ce qu'on a. Mais par contre, les partenaires, quand ils disent ils auront moins, voilà. Bref, c'est la douille. Quoi qu'il arrive, c'est la douille de toute façon. De toute façon, le divertissement, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais quel fils de pute! Excusez-moi. C'est mon. Un truc de move! J'ai fait un move de génie, je sais pas. Bah, pas moi. Ah là, je suis 4ème, c'est bon pour vous? Je suis censé battre étoile là-dessus, hein. On se rappelle, hein. À la base, c'est ça le but, hein.
Bah nulle part apparemment, parce que là, là je fais n'importe. Mais c'est mon but, hein. Mon but c'est de le fumer sur cette map, hein. Un jour. Ouais! Mais t'inquiète, j'ai le time. Déjà faudrait que je le rencontre, alors. Ça vraiment, j'ai le time, hein. Oui, je sais. Mais J'ai pas le time. Très fort à Smash d'ailleurs, si jamais t'as Ah, mais Étoile qui est terriblement fort à Smash, je n'arriverai jamais à le battre malgré tout l'entraînement que je pourrais avoir dans ma vie. Bah vraiment, je joue Pac-Man. Non mais... mais gros, déjà je suis une grosse merde en jouant mon main, alors qu'est-ce que tu veux que je le batte en jouant Pac-Man? Enfin, c'est compliqué quoi. Tiens, t'as kiffé ma bleue. Voilà, voilà. Hashtag je joue Kirby. Parce que Kirby il est exceptionnel. Le jeu, Oh, Samus. Mais tu sais que je l'aimais trop Samus sur... sur Wii, parce que t'avais Samus avec armure et sans armure. Et là, c'est cas, soit l'un, soit l'autre. Tu vois, c'est pas les deux. Ah oui, ok, oui. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'était ton débat pour se transformer, je crois. En... Ouais, c'est ça. C'était pareil pour Zelda et Shake. Oui, exact. Et ça, j'aimais trop, tu vois, pouvoir jouer deux persos, c'était stylé de ouf. Et là. Mais. Ouais, enfin après, moi je trouve que c'est bien quand même d'avoir. D'avoir séparé les deux, parce que, oui, c'est vrai que ça te bouffait quand même ton débat, quoi. Tu peux exploiter les deux. Enfin, tu peux mieux exploiter les deux, ouais. Deux phases des personnages. Oui, c'est sûr. Les deux transformations. Tu dois rencontrer Horty avant. Non, mais t'inquiète, Kerr. T'inquiète. On en reparlera, y'a pas de soucis. C'est qui que je viens d'écraser comme une vieille merde à la fin? C'est pas nous. J'ai pas sûr qu'il fait. Je me la suis pas pris ta bleue, Lauriane. Il a esquivé ta bleue. Mais tu lui as pas envoyé une bleue? Non. Ah. Bon bah, on sait pas qui c'était. Ah si, ah oui. La bleue, oui. Je voulais qu'il se prenne, mais qu'il s'est pas pris. Terrible. Et tu peux écrire mon Bastien, écrire mon prénom correctement, s'il te plaît. Bah, le jour où tu l'appelleras Bastien et pas Bastien. Je pense. Je pense, hein. Non, parce que bon. C'est un A, pas un E, quoi. C'est. Après, voilà. Poupipou, bidoudipou. Et Vroom! J'ai raté mon départ. C'est bon pour vous. J'étais persuadée de l'avoir eu. Et vraiment. C'est d'un ridicule. Allez, t'as bien vu, j'ai pas rigolé, hein. Ah, vraiment, les Minwario, c'est ma map préférée de tous les temps. Oh, la musique du Flipper Waluigi, elle est exceptionnelle. Oh là là. Moi, ce jeu... actuellement. Est-ce que je me rends compte que quoi? Comment ça tu... Attends, quoi, tu joues sans son? Non, j'ai pas eu le temps, non, c'est marrant. Disons que là actuellement j'ai pas allumé rien du tout, j'ai pas le son. Elle joue sans son, non mais je vous jure. Comme Véronique... Oh, ça va le mur? Ouais, ouais, très bien. Ah non, je suis une merde! Syndrome d'hyperventilation. Tout va bien, tout va bien. Pim pili pim pili du pou pou pili papi papi papou pili pa pili du pou pou pili papi. Bah ouais, jusqu'à preuve du contraire, ça va. Oh, champrou! J'ai raté le champrou et du coup je me suis foutu dans le vide. Oh, quelle pute! J'arrive. T'inquiète, Lauriane, j'arrive. Ouais, ouais, je m'inquiète, ouais. Oh non! Oh, ça c'est du cheat! Oh, c'est du cheat! Le minecart qu'il y a avec elle! Par contre, on m'explique, je suis 3ème, j'ai une étoile. On en est là? Allez! Bonjour! Oh, je l'ai pris trop tôt, mais je suis vraiment une connasse, c'est pas possible!
Putain, mais il est si loin, Bastion, c'est fou. C'est... Attends, c'est qui en Bilboom là? Y'a vraiment un Bilboom là? Y'avait eu vraiment un Bilboom. Bon, je pense qu'on rattrapera jamais Bastion, faut pas se poser la question. Il est sur la ligne d'arrivée là, c'est terminé. Hein. Par contre, j'aime pas trop parce que ça veut dire que la prochaine bleue elle est pour moi. Mais bon, ouais. Tout va bien. On est bon. Mais pourquoi vous jouez sans son? Y'a rien de mieux que la musique de Mario Kart. Mais c'est parce que j'ai pas. Tu t'es fait censurer par ton micro, c'était fou. Je sais. Mais je crois que j'ai le problème de micro qu'il faut que je règle. Ouais. Parce que j'ai mon casque pour le son du live. Ah, c'est pas bête. Bah du coup, t'as la musique du jeu, ça va. Bah voilà. Je sais pas ce que j'ai envie de faire comme map. Bon, on va faire le flipper. Et je suis comme une poule de flipper. Qui roule? Tiens, il est où? Il est où Polo, là? Polo? Bah, il est parti se coucher parce qu'il bosse à 4h du mat, quoi. Il est nul, Polo. Et après, il veut que je le passe VIP. Non, mais sans déconner. Faut pas pousser mémé non plus, hein. Ok. Je l'ai pas foiré. Nice. Par contre, on en parle de Donkey Kong, là, ou... Genre, du que sa mère, Donkey Kong, en fait. Cordialement, hein, mais... Mais il nique sa maman, en fait. Ah, j'ai fait nimp. J'ai raté mon virage. J'ai raté mon virage. Tout va bien. Yeah. Ok. Oh, je me suis fait rouler dessus. J'ai paniqué. J'ai paniqué, chef. Non, mais tirez-vous. Je vous ai vu tous les deux là en fait à venir essayer de passer devant moi là. Mais putain. Bastien, t'es vraiment une sale ordure. T'es peut-être mon modérateur, mais t'es une sale ordure. Je fais nimp. Raté. Je l'aime pas Donkey Kong, il est un peu trop devant pour moi, tu vois. Venez, on fume Donkey Kong. Connard de... Oui. Tout à fait. Yeah. Putain, quel fils de pute. Oh, Donkey Kong et ses vertes là. Bastion et sa rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre ça se ligue à Donkey Kong. J'y crois pas. Ça va chier. Ouh. Ah bah elle est pas passée loin celle-là. Poupé pépé pépé pépé. Oh l'éclair! Oh l'éclair qui est tombé juste au bon endroit! Oh putain! Oh le timing de l'éclair était incroyable! Ouais, je l'ai vu aussi, t'inquiète! Je l'ai vu aussi, il s'est fait repopper à côté de moi! Oh c'était beau! Direct, hein. Allez, gros chais. Ça va, Ariane? Nickel. Et... Oh, cette musique. Oh, le shroom. Ça vole des shrooms. Niaou! J'ai volé des shrooms sur la route! Allez, on est passé devant Bastion! Oh la Tommy Kay! Alors Bastion, ça va? Alors Bastion, ça fait quoi d'être derrière, hein? Fine! Ça me,
Ça me termine, il n'y a plus de respect pour lui. Oh bah, il n'y a jamais de respect pour Bastion. Non, tu l'aurais pas, tu l'aurais pas, tu l'aurais pas gagné. Quand il est là, il nous taunte. Alors on le taunte aussi. Faut pas déconner. Ça mourrait cette scène. Franchement, moi je dis on s'allie et on lui met la pâtée. Yeah. Allez. Allez. On va faire Supermarché Cocoa. C'est bien Supermarché Cocoa. Ah ouais, un classique exceptionnel avec une musique exceptionnelle. Putain. Même en vous alliant, vous y arriverez pas. Monsieur, c'est l'heure, je dis tac. Tic, 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 tic et tac. Ranger du risque. Dites-moi que j'ai... Oh ! Ranger du risque. Oh, tu me fais plaisir ! Oh putain ! Oh, je le vis tellement mieux d'un coup. Oh, j'ai un frisson de bonheur. J'ai raté mon démarrage. Ça aussi, c'est une musique incroyable. J'ai pas drifté dans le bon sens. C'est bon pour vous ? Oui. Non, j'avais dit, il fallait pas ici. L'horloge. L'horloge tic tic et tac. L'horloge des rangers du risque, tu peux pas test. Ranger du risque. Ranger du risque, tic 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 et tac. Ranger du risque. Je me souviens plus des paroles, personne ne se souvient de ces putains de paroles. Oh, j'aurais jamais dû. Oh, j'aurais jamais dû, je vais me prendre ma propre verte. Non, c'est bon. J'ai eu tellement peur, putain. Bon, ils sont où les deux devant? Putain, mais vous êtes loin! C'est qui devant? C'est Lauriane et merde. Ah, bon bah, ça non, règle coup, le problème. C'est pas grave, je l'ai eu avant. Non, mais ça règle le problème. Non, mais j'avais une rouge en fait, c'est pour ça. Et j'ai Link qui vient de me passer devant, mais c'est une blague. Viens ici. Non, c'est pas Link, c'est bébé Bowser. Ok. C'est bon, j'ai redoublé bébé Bowser. Ça y est, je vous rejoins, je suis derrière vous. Je vous vois. Ah putain! Iiii. Non. T'inquiète. Aïe. T'inquiète, j'ai dit. Fais gaffe, il y a une bleue qui arrive. Ouais, je m'en fous, c'est pas pour ma gueule. Certes, mais tout de même. Oh bien, wesh. Oh non, mais tu viens me faire des bisous, Lauriane, c'est compliqué. Bon, on l'aura pas eu. Ça va, Lauriane, t'es troisième. Je veux rien entendre, t'es troisième. Tout va bien. Tout va bien. Mais vraiment, je sais pas comment tu fais, Lauriane, mais à chaque fois que j'ai un item accroché à mes fesses, tu te le manges. MDR, grâce à Lauriane, je l'ai pas pris le hit de la bleue. Oh non, c'est terrible. Putain, c'est terrible. Moi, je vous dis, les gars, je me fais une coupe en plus et ensuite je vais pioncer. Oh. Ouais. Je suis claqué ce soir. Ouais. Bah alors, on fait la 200 CC alors. Oh putain. Je te propose, on fait la 200 CC demain. Non. Arc-en-ciel en 200 CC ? Bon, allez, allez, oui. Allez, allez, la petite tradition. La petite trad quand c'est les dernières courses. Allez. Voilà. Putain, fais chier. Tu me diras, il faut bien un moment... Merde, attends. Là. Alors. Elle est où? Route arc-en-ciel. Merde. Et Park Baby. Bah bien sûr, Park Baby. Bah bien sûr, Park Baby, c'est le dernier. Petit Park Baby, là. Park Baby, c'est à la fin, c'est le dernier. Bien sûr. Petit Park Baby, là. Ah là là, Slow, tu fais un petit Park Baby là! Bien sûr! Non, allez! 5 tours. 7! 7 tours! Non, c'est 7! Ah, c'est 7! Ah, c'est 7! C'est plus 5, par c'est contre, 7. On se met d'accord sur les parcours. Non, tant que c'est les arcs-en-ciel, on retire celle qui a été faite. Oui, c'est ça!
L'important c'est de faire là, les trois arcs-en-ciel puis le petit parc des... Celle-là par exemple on devra plus la remettre après. J'ai raté mon démarrage, c'est bon pour vous. Pareil. Yeah. Bon bah voilà. Oui, oui. Oh t'as pas mis les bottes en plus, mais quel génie. Non non j'ai pris ton boost. Ah. J'ai pris un champi, c'est bon pour vous. Là c'est bon, je pourrais le prendre, c'était bon. Hop. Oh. Oh, c'est que je suis première. Bah te pose pas la question. Oh, non, j'aurais pas dû prendre des pièces. Oh putain. Oh le frein à la dernière seconde. Non! Non! Le champi! Le champi qui a tout ruiné! Ok. Ah putain! Y'a rien qui va sur cette map, c'est bon pour vous. Voilà, voilà, non, non! Poussez-vous, je suis une étoile, merde! Ah putain, mais je peux. Les gars, tu peux pas appuyer sur la touche avancée si t'as une étoile, c'est bon pour vous? Vraiment, c'est impossible. J'ai vu une verte là. Je rêve pas. Oui. Non seulement on essaye de survivre, mais de s'assassiner aussi, c'est ça l'idée? Non mais d'accord. Bah sinon c'est pas drôle. Oh non, non, pire idée. Oui, peut-être. Ça me termine. Non. Faut pas la conscience du risque. Non. Ok. Non! C'est terrible. C'est encore Bastien qui va être premier avec ses conneries là. S'en fout. C'est pas faux. Putain, mais tu. C'est injouable! C'est le but! Je suis en étoile, bordel. Oh la vache! Nota bene, l'étoile c'est du savon. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc apparemment. Ok. Ok. Non. Oui. 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 Non. D'accord. Est-ce que tu te l'es prise? De quoi? Ah non, je t'ai envoyé une rouge en backspam, tu te l'es pas prise? Non. Oh merde. Ah bah oui. Dans le trou. Ah, oh, c'est terrible. Je suis triste. Je suis pas sûr qu'il fait putain, ma bombe elle était si bien placée, pourquoi tu t'es arrêté? Bah pour pas la prendre. Je voulais la voir exploser devant moi. Hop. Et j'avoue qu'elle est, elle était placée à la perfection cette bombe, c'était incroyable. Oh putain. Bon bah la dernière ce sera le train hein. Ah. Triste. J'ai envie de crever. J'ai envie de mourir. Mais ouais. J'ai enfin compris qu'en fait il fallait relâcher la touche A et pas essayer de freiner, tu vois. Juste il faut arrêter d'accélérer. Après plus de 15 ans d'existence dans Mario Kart, c'est. C'est vrai. Sachant que j'ai commencé sur double dash, hein, on se rappelle. Aïe. Ah bah la vieillesse, mon gars. Non. Je suis trop con. Pire idée. En vrai, celle-là, ça va, je la gère mieux que les autres, quand même. Celle-là, je la gère même pas trop mal, en vrai. Dit-elle en tombant dans un trou. J'ai envie de te répondre ta gueule. Ouais, bah moi aussi, t'inquiète, hein. J'ai envie de m'insulter, là, un peu. Mais vire-toi avec tes putains de boules de feu, là. Tu m'as pas touché une seule fois, gros chais, d'ailleurs, mais... La fameuse Rainbow Road de chez... N64 ça. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est N64 celle-là, il me semble. Non, non, il me semble. C'est 64. Il me semble. 64. Non. L'échec. C'est ce qu'on appelle un échec. Qui est. Qui a envoyé ça? Qui a envoyé un putain de bloop? Pas moi. Bastien, c'est toi qui as envoyé un putain de bloop? Non, c'est
Pourquoi t'as envoyé un putain de bloop? Parce que j'avais que ça. C'est la merde en bloop. Il est trop large. Tu pouvais regarder sur la DS. Tu pouvais regarder sur le bas. Ah oh, putain, j'avoue. Non, non. Grosse merde. Je suis une grosse merde. Moi aussi. Yep. Comment ça terminé? Attends, t'es passé devant moi? Mais comment? Attends, quand? Quand est-ce que t'es passé devant moi? Je t'ai même pas vu. Je suis choquée. Tu veux vraiment savoir? J'en sais rien. Je suis sûre, elle a cheaté, elle est tombée, ça l'a reposé plus loin. Non, j'ai utilisé le bilbon. Je suis remontée, j'ai utilisé le bilbon. Ah, la connasse, elle m'a doublé en... Merde, j'ai pas mis la bonne. Oh, si ça tombe sur la mienne, je suis désolée, CFF. Ah, je suis désolée. Oh non. C'est bon. Oh putain. Oh, l'arrêt cardiaque était proche. Oh putain. Ah, ah, j'ai eu peur. Je vous cache pas, j'ai eu peur. Bip. 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 Allez, on est beau. On est beau, on est propre. Oh, je suis première. Oh, oh, c'est dur. Attends, je suis première. Ouais. Ta gueule. Casse-toi. Bah merci. Je tourne pas dans le bon sens, c'est bon. Je me suis trompé dans mon dérapage, je tournais pas dans le bon sens, ça va vous. Quand l'esprit de compétition prend le dessus. Un peu. Non, non, piriné. Ouais. Tout à fait, ouais. Non mais déjà faire les Remboro dans 200 CC piriné. Enfin à un moment je pense que niveau piridé, on est pas mal, tu vois. Yeah. Tout va bien. Mais sur celle-là, faut avouer qu'on tombe un peu moins. Normalement. Ouais, parce qu'il y a un peu plus de bavière, raté. C'est vrai. Mais surtout que les courbes sont vachement plus smooth. Si tu les prends bien larges, pas comme je viens de le faire, quoi. Tu tombes pas. C'était une mauvaise idée. Ah, ah. Je suis en étoile. J'ai passé la sœur. Ah putain. Oh, nota bene, l'étoile en 200 cc, c'est une très mauvaise idée, les potes. Hein. Oh, mais j'étais si... Waouh, j'étais si loin. Je suis trop fière de toi, meuf. Mais tellement fière de toi. Ça me termine l'enthousiasme que vous avez. Non mais en fait, il faut savoir que la dernière fois qu'on a joué, on était avec Bastien et Polo, et ils étaient vraiment en mode « Ouais, vous êtes nuls, on vous a niqué, tout ça, tu vois ?» Donc vraiment, le fait qu'on les défonce, ça nous fait chaud au cœur. Mais ouais, mais je suis trop fier de toi. Mais Bastien, il est trop... Franchement, si on le fume sur Park Baby, on est bon. Tout à fait, Bastien. Là, tout est une question de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise, c'est du pif. Là, vraiment, il y a zéro maîtrise. C'est random. C'est à celui qui aura le meilleur item. C'est ça. C'est tout. Bip. Bip. Putain, j'ai cru que j'avais raté mon démarrage, j'ai eu peur. Je l'ai pris trop large. Connasse. Qui ça, moi? Oui. Ah d'accord. J'ai un peu la gerbe, je sais pas vous, mais vraiment ça me... Ah putain. Allez, c'est moi first, niquez-vous. Quoi? Non, il y avait un dernier tour, je suis une grosse pute. Oui. Oh non. Merde. Oh non, je suis une maxi merde. Oh non. Ah, rien à foutre, c'est toujours moi, Prems. Oh, je suis une maxi merde, mais rien à foutre, je suis toujours Prems.
J'ai vu vraiment, Bastien, que tu te sois pris le mur, ça m'a sauvé ma run. J'aurais fait troisième sinon. Ah putain. Oh le mur qui sauve la vie. Exceptionnel. Oh là là, c'est fantastique. Vraiment, c'est fantastique. Bon, allez. Quittez. Schtouk. Oh, c'était fun. Oh, j'ai beaucoup ri. Ouais, c'est pareil. Bon. Pourquoi? Et alors? Ouais, Kevin, hein. Mets des paillettes dans sa vie, Kevin. Attends, mon ange. Mettre des paillettes dans ta vie. Oh non, tu vas vraiment lui mettre des paillettes dans sa vie, là? Oh non. Non. Imaginez, on fait 4 paires de baby en 200 cc, ce serait totalement aléatoire. Oh, j'avoue. Chiche. Oui, chiche. Viens, on va le faire. Viens, on le fait. Non, mais non, je vais aller me coucher. Tu casses les couilles, putain. Allez. Tu fais chier. Tu fais chier. Vous me cassez les couilles. Moi, je veux juste aller me coucher. J'ai mal aux jambes en plus, putain de merde. J'ai mal aux jambes, j'ai envie de pisser. Je veux aller enlever ces paillettes de ces morts. Excusez-moi. Ouais, écoutez, moi je vais vous laisser les filles. Des bisous, Slow. Merci d'être venu. Allez, bon courage. Merci. Bye bye. Bye. Ah oh, putain. J'ai envie de canner là. Laissez-moi aller dormir et pisser. Enfin, pisser et dormir, sinon je vais avoir des problèmes. J'ai envie de faire pipi. Je peux même pas faire pipi dans le ficus, ça va le tuer. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, vas-y, roule ma poule. Putain, 4 parcs baby en 200 cc. Dis-moi que t'as pas mis les bottes. Non, j'ai pas mis les bottes. Nice. J'ai envie de crever. J'ai envie de pisser, putain de merde. Mais moi aussi, je dois pisser, et alors? Bah oui, mais toi, tes chiottes, ils sont à côté. Non, mes chiottes, elles sont à 20 mètres. Oui, 20 mètres. Moi, elles sont à 2 minutes de marche. On doit tous pisser. Bah va pisser, Bastien. C'est pas possible, ça. J'en veux plus. Moi, je veux juste faire pipi, en fait. On ira faire pipi après. Putain, jeu de merde. J'étais censé commencer l'événement caritatif. Oui, mais Quel événement caritatif? Greenpeace. Mais j'ai l'impression que t'es tout le temps dans des événements caritatifs. Moi, oui. Régulièrement. Ah oh, putain, ça t'a pas touché. Je le sème. Régulièrement. Bah si, régulièrement alors. Putain, j'arrive pas à prendre mes tours correctement. C'est terrifiant. T'as pris une étoile, j'ai entendu. J'ai entendu, tu m'as doublé. Je crois. Non, c'est Bastien qui nous rattrape, très bien. Mais, oh, quelle pute! Oh, je l'ai vu, ton bilboum de merde, là! Non, oh, j'aurais pas dû. J'ai fait n'importe quoi. Vraiment, ce sera pas moi la problème sur cette map. Hein. Oh, je suis deuxième. Ah, ça me jette le nez. Oh, je suis en train de me foutre des paillettes dans le nez. Ah, si j'éternue de la paillette, ça va être terrible. Ah, putain. Et ta mère n'en a pas voulu d'avoir des paillettes? Bah, vu que mon studio, il est pas dans la maison, elle s'en branle. Voilà. Mais quand elle a vu la gueule de l'enveloppe, elle s'est dit « Oh my !» Voilà. Tu lui diras à ta maman que je l'aime et que... Non, mais de toute façon, va falloir qu'elle s'habitue, hein. Parce que ça va être de pire en pire avec le temps. Hein. Je veux dire, si être streamer sur un malentendu, ça devient mon métier, ça va être compliqué, quoi. On sait tous que les bureaux des streamers et les boîtes aux lettres des streamers, c'est pas forcément les trucs les mieux rangés du monde, tu vois. J'aurais pas dû. Putain, j'ai une pièce, c'est bon pour vous. Au secours, il se passe des choses, je comprends rien.
Putain, j'ai deux pièces. J'en ai trois. Je me suis pris ma propre peau de banane, c'est bon pour vous. Bastien, va te faire foutre. Va te faire foutre, fils de pute! Putain, j'ai plus de respect pour ta mère, là, je m'en branle! Allez, va te faire foutre, j'ai pas eu. Ouais, de toute façon, je crois que j'ai give up. Je crois qu'inconsciemment, j'ai give up. Je veux dire, quand tu me doubles deux fois de suite, à un moment, je ne peux que give up. Attendez, je remonte! Si ça me lâche dans un virage, je suis dans la merde. Non, c'est bon. Ouais. Ouais, voilà, j'avais un tour de retard sur vous. Ma pauvre maman, elle a rien demandé. Bah, j'en ai rien à foutre! Au moins, elle est payée, merde! Ah, putain. Imaginez ça avec les bottes. Oh, j'ai pas envie. Elle est mieux rémunérée que nous deux. Rémunérée? Ouais. Rémunérée. Oui. Rémunérée. C'est pas ce que j'ai dit? Non! Rénuméré, t'as dit donc. Redire un nombre. Rénuméré. C'est compliqué. Oh, j'ai le jeu Excel. Oh, trop bien! Oh, ah, trop bien! Ok. Trop bien. J'ai un super jeu. Bon, bah, si t'as un super jeu. Cool. J'ai reçu une clé d'un super jeu. Je pensais pas recevoir la clé. Bah, écoute, sois contente. Mais meuf, faut qu'on te fasse jouer à VHS. C'est quoi VHS? Ça ressemble à Dead by Daylight, mais c'est vachement bien. Parce que c'est un peu style années 80 et c'est stylé de ouf. Oh! Quel connard! Oui. Qui m'a volé ma banane? M'a volé ma banane. Je fais nimp. Oh, je fais nimp. Pareil. Oh, je fais nimp, je suis coincé dans un mur. Super. Bon, bah, je suis de retour dernière, hein, ça fait plaisir. En plus, j'ai une étoile, donc ça fait encore plus plaisir. Ah, bonjour, Lauriane. Excusez-moi. Ça va vous? Lauriane, je t'aime. Et oui, on veut bien ta technique, Bastien. Parce que à part prendre super large, je vois pas comment on peut faire en fait. Ça va, Lauriane? Oh, c'est vraiment, c'est du vol. C'est du vol ce que j'ai fait. Je suis désolée, Lauriane. On refait avec les bottes. Non, niquez-vous, moi je vais me coucher après. Hein. Vraiment, j'ai un genou qui est en train de me détruire, là, j'en peux plus. Voilà. Parce que moi, je me suis quand même fait chier à monter tout un setup en une journée, hein. Donc, s'il vous plaît. Bastien, vite! Merci. Ça va. Mais moi aussi, je passe dans les plantes en mode ultra serré, mais... Enfin, j'essaye, ah ouais. On va dire. Mais bon, c'est complexe, quoi. On n'a pas tous 1000 heures de jeu, quoi. Putain, la dernière partie, je commence pas dernière. C'est bon. Pourquoi mon dérapage, il marche plus assez ? Aïe. On est en train de se battre juste avec Lauriane et moi en fait. Bastien, il nous a oublié, tu sais, Bastien, il est parti dans son monde.
Non, la peau de banane. Oh non, nique sa mère, la peau. Oh bon, j'abandonne. J'abandonne, je me suis pris un mur, j'ai tout pris. Là, je suis dernière, c'est bon. Y'a même pas de question à se poser, je suis dernière. Vraiment, hein. Fallait pas se poser la question, là, c'était fini. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon bah. Bon bah, voilà. Allez, je me casse, merde. Putain. Je suis quasi tout le temps en drift. Mais nous aussi. Nous aussi, on est tout le temps en drift sur cette map de merde. Allez, zou. Voilà. Voilà. Je vais me coucher. Putain. Je vais m'attarder parce que... Attends. Coiffure. Pourquoi j'ai une paillette qui vient de tomber de mon plafond? C'est pas moi ça. Alors là, je suis pas responsable de ça. Mais... Attends, c'est une paillette qui est tombée ou... Ah non, c'est pas une paillette. Mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est une bébé niénié. Oh. Bah, il y a plus de bébé niénié, voilà, elle est morte. Oh putain. Ah non, mais à un moment, désolé, mais... Voilà. Parce que tu sais, que nous, on arrête de déraper après avoir tourné, en fait, comme des grosses chiègles. On arrête de déraper après avoir tourné. Quoi? J'ai pas compris. Tu dis des choses avec ta bouche, j'ai pas compris. Enfin bref, sur ce, le chat, je vous aime. On se retrouve demain, 19h. Je pense, 19h ou 19h30, attends. Parce que demain, j'ai ma tante qui est chez moi. Demain, 19h30. Je sais pas ce qu'on fait, mais on fait. Voilà. Demain, si tu veux. Demain, si tu veux. Je peux demander à la personne qui organise. Mais je crois que demain, je fais du Among Us si tu as le jeu. Je pourrais. J'ai pas très envie de faire du Among Us demain. Attends. Pou. Non, mais en fait, j'ai un jeu là. Ah non, c'est Jedi. C'est Jedi que je fais Among Us. Jedi, oh là là. Oh, mais j'ai plus rien le jeudi d'ailleurs. Mais. En vrai, je sais pas. Parce qu'un Among Us, c'est bien, mais je suis une grosse merde. Tu vois. Oui, alors. Ah, c'est pas faux. C'est faux. Ok. Ok. Mais, en fait, je sais pas ce que j'ai envie de faire en ce moment. Parce que j'ai plein de jeux, j'ai une liste longue comme le bras. Mais en fait, ça me stresse parce que tu vois, j'ai Outlast qui va bientôt falloir que je le fasse et j'ai pas envie. J'ai aucune envie, mais ne serait-ce que de le télécharger, j'ai pas envie. Genre, là je... Oh, attendez. Je sais plus pourquoi j'avais attendez. Ce jeu. Attendez, est-ce que je peux pas Windows capturer ça? Je peux pas... Si, je peux Windows capturer ça. Comment vous dire? Ah, mais ça veut pas le capturer. Oh, comment c'est la baisse. Oh, c'est terrible. Oui, mais moi, en fait, c'est par rapport à une event caritative. Bastien, tu pourras pas... Oui, c'est pour du caritatif, faut pas déconner quoi. Ellie, parce que voilà, je peux m'arranger, mais je peux pas m'arranger. Parce que je suis streameuse et je peux vous pousser à perdre votre argent. En gros, hein. En gros, c'est l'idée. En gros, c'est un débat. Oui. Venez dépenser vos sous chez moi plutôt. Tout à fait. Allez donner de l'argent pour le caritatif, c'est bien. Voilà. Venez de me donner des sous, j'ai des bons goals pour une fois. Je sais pas ce que c'était cool, mais on verra bien. Bref, demain, 19h30. Voilà. Je vous fais des bisous, internet. Et puis, puis voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bye bye. Bye bye.